Et bonsoir tout le monde! Bienvenue pour cette nouvelle session de Kémi. Est-ce que vous nous entendez bien? On peut faire du bruit On si besoin. l'entend. Ah? Si? Bonsoir? Prot, prot, Super! J'entends la MJ, donc tout va bien. Parfait. Ouais. Merveilleux. Okay. La dernière fois, nous avions eu une traversée du désert qui avait été assez épique. Avec des chameaux, avec des coucou, tu veux voir ma bite? Non, c'est plus ça, c'est ma bite, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est plus N'est pas subtil. exhibitionniste, oh. Et donc en termes Ah En voyage, ça sera pas que vous avez votre rendez 50 parce que là, ça tape. Hein. En termes d'histoire brute, donc vous étiez parti avec les deux marchands que vous aviez rencontrés sur le bateau, et ils s'étaient barrés. Alors peut-être qu'ils vous trouvaient quand même vraiment très bizarre. Hein. C'était peut-être juste ça le problème. Toujours est dit que vous aviez croisé des éléments voyageurs armés d'une tribu du coin qui au matin étaient partis et les deux étaient partis avec. Honteux. Voilà, donc est-ce que c'est qu'ils vous ont lourdé parce qu'ils pouvaient plus vous supporter? Est-ce qu'ils étaient vraiment très pressés d'arriver? Parce que c'était des espions? On ne sait pas. Ouais, enfin, ils nous ont quand même pas dit au revoir et c'est pas très poli. Ouais, non, c'est pas très poli. C'est pas très poli. Bah, Mais si, bon, avec ça. peut-être qu'ils étaient pas sensibles au fait que vous vouliez me faire autant. Voilà, c'est cadeau. Merci Théo. Oh non, j'ai tout loupé. Absolument, il y a rien qui s'est passé sur mon écran, quoi. J'ai rien vu, je suis dégoûtée. Ah, ah bah, c'est un coup fugace. Non, j'ai pas vu. J'étais sur la Jamais. table de contrôle. Ah non, elle sera disponible dans Attends, le 27. attends, parce que je dois pouvoir le déclencher. Attends, cours de Bien rechargement. fait. Ah non, il est aussi en pause. Oui, comme il est un peu agressif, je l'ai mis un timer assez haut. Ah oui. Dans 5 minutes. Mais voilà, comme. Très bien avant pitié. Mais voilà, donc j'ai mis un petit Yeti vénère qui vient péter l'écran. Je me suis dit qu'une fois de temps en temps, ça correspondait bien à notre manière de jouer. Non, mais ça manque de mots. Voilà, Très voilà. bien. Voilà. Donc, d'ailleurs, si on se mettait un petit peu de musique. Ouais. La musique dans la danse. Quand la musique parle. Oh, la chorale! Oh, la chorale! Alors, je vais pas vous mentir, je suis allée en Disconnect dimanche pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps. Il y avait une salle années 80, années 2000. Ah, bah, mon pote, j'ai quitté la salle où il y avait plein de gens de 18 ans. Je suis partie avec les 40 et plus. J'ai dansé sur plein de musique box, j'étais très heureuse. J'ai dansé sur du Tragédie, Camaro, Céline Dion. J'aurais fait la même, t'inquiète. Genre... Ouais, passez le rire du son, sans question. Oh. Willy Denzé. Je suis rentrée à 5h du matin, je me suis rendu compte à quel point j'étais vieille parce que je me suis couchée à 5h30, que j'ai que 26 ans, que je ne consomme pas d'alcool et que je me suis levée le lendemain vers 15h. Ah ouais? Bah déjà, tu as tenu jusqu'à 5h30 et ça, c'est beaucoup. Alors j'ai tenu jusqu'à 3h30, mais il y avait beaucoup de route derrière et t'es genre, mais non, on reste parce que c'est bien, mais non, on reste parce que c'est bien. Et à un moment, tu commences à secouer ta tête au volant en disant, chéri, reprends le volant sinon on va mourir. J'ai pas assumé beaucoup. Alors, épique musique, un peu moins Donc. fort. Ah oui, je vais être en vacances au vendredi. Ah. Donc, Oui. oui. après cette traversée du désert, riche en événements pour un désert, vous vous retrouvez en vue de Jérusalem. Donc, Jérusalem à cette époque, c'est pas encore la Jérusalem sainte qu'on connaît. On est
encore 400 ans avant le roi David et le roi Salomon. Jérusalem, pour l'instant, c'est tout simplement une des premières villes du Proche-Orient. C'est petit par rapport à Ouasset, que vous connaissez bien. Ouasset, c'est à peu près 6000 habitants. Jérusalem, c'est 1500 habitants. Donc pour vous, c'est quand même... Enfin, on n'est pas dans la ville provinciale, mais un peu quand même. Par c'est contre, plus cette de bouseux, là. Par contre, Jérusalem, c'est déjà sur un carrefour de voie commerciale, de voyage. Ça reste une ville qui est assez cosmopolite. C'est une des villes principales de Canaan. Donc qui est cet ensemble, ce patchwork de territoire, ce patchwork de petits royaumes, de principautés. Qui se tirait à bourre jusqu'à ce que l'Égypte, il y a quelques années, sous l'œil de Toutmosis, vienne péter la gueule à tout le monde et faire des protectorats. Ou c'est simple, c'est si tu payes les impôts, tu gardes ton autonomie. Mais il faut payer quand même. Mais tu peux garder tes dieux, mais faut payer. Et donc là, Jérusalem, c'est une petite ville qui est construite au sommet d'une colline. Et c'est paradisiaque. Vous avez des champs d'oliviers, enfin des oliviers, avec des moutons, des troupeaux de moutons et de chèvres qui sont gardés par des petits bergers. Au long de la route, vous avez des petites maisons avec des figuiers. Vous avez cette odeur très douce et très puissante. Ils sont en train de mûrir au soleil. Donc, au fur et à mesure où vous approchez de Jérusalem, ben vous allez devoir prendre une décision, puisque donc Jérusalem, c'est donc la fin de la traversée du désert. C'est un endroit où vous allez pouvoir trouver des montures. Vous allez pouvoir trouver des informations aussi, avant de repartir vers Megiddo, donc qui est votre but. Et ce sera, vous avez à peu près 2 jours entre Jérusalem et Megiddo. Un petit peu moins si vous vous dépêchez. Voilà, on est dans cette mosaïque en fait de petits états qui ont, et Jérusalem gardera une importance géopolitique majeure pour les Égyptiens par la suite, qui installera un gouverneur, mais on n'en est pas encore là pour l'instant. Jérusalem, ça reste une cité qui est petite, mais qui est prospère, qui est un carrefour culturel, et qui est un peu la clé de voûte de Canaan. Vous avancez, quand vous croisez des gens sur le chemin, toi, Néferhotep, ça va te rappeler un petit peu les campagnes de Toutmosis que tu avais suivies. Alors, c'est beaucoup plus paisible qu'à l'époque, parce que déjà les gens ne partent pas en courant en voyant ta tronche. Ah, un Égyptien ! Ah ! Depuis le début, je suis très tentée de partir en courant parce qu'il y a sa tronche. J'allais dire exactement la même chose. J'allais dire que pour ça, il suffisait que je regarde une des membres de notre équipe, tu vois. Donc, toi, Inara, pour toi, ça commence à sentir à la maison. Parce que Jérusalem, c'est peut-être pas ta ville d'origine, mais aussi bien en termes de climat qu'en termes de tout simplement les gens qui parlent dans la rue. C'est ta langue maternelle. Ils sont habillés comme. Ça sent la maison. Ça sent la maison. C'est pas tout à fait la maison, mais on s'en rapproche quand même beaucoup. Et puis, Ayen et Djemet, vous, par contre, c'est un peu la première fois que vous venez, donc je sais pas comment vous allez
comment vous allez ressentir cette découverte, mais là, pour vous, par contre, c'est un peu le choc des civilisations, quoi. C'est les marchands que vous croisiez à Wasset, qui avaient des vêtements de laine colorés, etc. Bah, là, il y en a partout, et c'est vous, avec vos vêtements de lin légers, qui détonnez. Oui, je pense qu'on avait dit que rapidement, il fallait qu'on change de costard. Alors après, encore une fois, Jérusalem, c'est, vous allez avoir des marchands qui viennent d'Égypte. C'est, y a du monde, hein. Y a du monde qui passe. Vous avez tout le commerce de la Méditerranée qui vient. Vous avez aussi des gens du pays de Punt. Ça reste un centre commercial. Vous n'êtes pas les seules égyptiennes. Ok, mais on avait discuté du fait que si par hasard on arrivait vraiment après les mauvaises nouvelles, arrivait que notre tête d'égyptienne jusqu'à Megiddo était plus problématique et qu'effectivement, il fallait mieux pouvoir prévoir un truc un peu plus discret au cas où. Donc voilà, ben qu'est-ce que vous faites à Jérusalem ? Est-ce qu'on change de vêtements déjà ? Il y avait l'idée de se débarrasser des chameaux aussi. Ouais. Pour prendre des trucs qui crachent pas, hein. Mais ça, on l'avait pas fait quand on s'était arrêté justement dans le petit hameau où j'ai noté qu'on avait échangé déjà nos chameaux pour des chevaux. Oui, c'est vrai. Il me semblait que vous aviez pris des chevaux. Oui, ok. Oui, c'est vrai. Ça ne nous a pas blatéré. Il crache moins et... Non, mais... ouais, on peut essayer de se prendre peut-être un peu plus dans la masse, éventuellement. Ouais. D'accord. Donc, du coup, vous allez chercher... Vous allez, si vous tournez un petit peu en ville, c'est... C'est quand même pas si grand. Assez rapidement, vous trouvez un marché. Avec des... Enfin, c'est pas un marché plein air. C'est en fait, vous avez une rue avec des commerces, avec des étalages, avec des artisans qui ont mis devant chez eux les produits de leur travail. Et donc, en effet, vous allez trouver des vendeurs de vêtements. Ça posera pas de soucis. Oui, et puis si besoin, moi j'avais emmené quelques bijoux et aussi de quoi en fabriquer si. Ah oui, si toi t'étais pas partie les mains vides, il me semble. Effectivement. Tant qu'à venir jusque-là, autant mener. D'utile. Non, mais ça me permet aussi de sonder aussi sur place en tant que commerçant, de dire bah voilà, ils recherchent quoi, qu'est-ce qu'il y a comme style, c'est quoi la mode, enfin tu vois des trucs. Bah alors là du coup tu tombes sur une commerçante qui est très loquace. Ah parfait. Alors toi tu parles pas très très bien, hein. Ça langue, mais du coup il aura l'aide, il aura. D'accord. Mais par contre voilà, vous arrivez avec en faisant l'interprétation, et puis elle connaît un petit peu d'égyptien aussi. Enfin, à force de baragouiner, vous arrivez quand même à vous comprendre. Et donc, elle est très très contente de rencontrer quelqu'un qui peut lui parler des dernières modes de Wasset. Et puis, alors, quand elle comprend que t'es bijoutière, c'est fini, quoi. C'est limite, elle va pas aller jusqu'à te faire une grosse réduction, mais une petite quand même. Ah, c'est sympa. Bon, alors, je vais pas dire on échange nos cartes de visite, parce que ça n'existait pas à l'époque. Échange ton papyrus de visite. Ouais, ça avait un coût, ça servait pour filmer des vacances, si vous voulez pas que je filme n'importe quoi avec. Voilà, quand je serai de retour en Égypte, pourquoi pas, effectivement, garder ce lien commercial, quoi, si possible. Non, et puis les gens, à l'époque, hein, on n'avait pas les informations qu'on peut avoir d'un claquement de doigts, donc... Quand tu rencontrais des gens qui venaient de loin, c'était plutôt pas mal. Et du coup, à force de discuter, elle te dit mais c'est comment en Égypte en ce moment ? C'est-à-dire ? Comment ça c'est ? Non mais vous savez, il y a des tas de rumeurs là depuis quelques jours.
depuis quelques jours en vie. Enfin, bah, du coup, je me demande si ce qu'on entend, c'est si vrai que ça, quoi. De quoi on parle? Bah, je sais pas, il paraît que Pharaon est mort. Que les princes de Canaan sont morts aussi, enfin, qu'il y a eu un attentat au palais, comme on dit, enfin, c'est. Je me dis, mais. Non, mais personne. Ah non. Alors, je dirais aucune personnalité politique n'est décédée. Hein. Non, parce que si tu dis personne n'est mort, je pense que je te colle un pied bouche. Non, j'allais dire Pharaon. Non, mais je vais pas parler de ma sœur, c'est pas le point, mais non, en gros, aucune personnalité politique n'est décédée. Rassurez-vous là-dessus, Pharaon et les princes vont très bien. Non, mais après, c'est peut-être arrivé après que vous soyez partis, hein. Parce que bon, ça. Bah écoutez, quand on est partis, nous, ça allait, hein. Alors, Non, je lui mets une main sur l'épaule quand même, parce que je devine que ça doit pas être hyper simple de dire oh, mais non, tout va bien, personne n'est mort, alors c'est sa sœur qu'elle vient de perdre, donc je lui mets une petite main sur l'épaule en mode. Pat, je suis là. Je ne sais pas comment aider, mais je suis là. Ouais, parce que je pose ma main sur la tienne, genre c'est sympa, merci. Oh. Allez, petit regard de reproche rapide à Néphérotep. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt quelque part à aller discuter avec les autorités locales pour un petit peu essayer de démentir ce genre d'informations. Et ma question secondaire, c'était les ordres de Pharaon, que je me trimballe auprès du plus près du corps, c'était à ouvrir à Jérusalem ou à Megiddo? À Megiddo. Ok. D'ailleurs, oui, c'est vrai, je te les ai toujours pas donnés en clair, mais c'est pas... Ah, mais je les ai toujours pas ouverts, donc il n'y a pas de raison que... Voilà. Oui, voilà, tu les as toujours pas ouverts. Je les dirai au moment... Non, mais par contre... Ou t'as celui qui lira ce message. En essayant de discuter avec elle, c'est genre, est-ce que la rumeur part de quelque part à un moment précis, ou est-ce que c'est juste des nouvelles qui circulent comme ça Non, bah ça fait deux jours, hein. Ça fait quoi? Ça fait deux, trois jours que... Mais tout le monde en parle. Tout le monde en parle. On ne parle que de ça dans Jérusalem. Est-ce qu'on a perdu les deux connards, là? Bah ça pourrait coïncider avec leur arrivée dans Jérusalem, en effet. Oui. C'est vraiment des cons, hein. Vraiment des gigabolos, j'ai envie de les... Et je lui dis, et comment on fait pour vouloir répandre des rumeurs ici? Bah... Comme tout le monde, vous discutez? Non, mais je veux dire, vous connaissez bien des gens qui, voilà, peuvent faire circuler l'information. Ah bah, moi, alors, qui me l'a dit j'ai appris par Sarah. J'ai appris par Sarah qui travaille à l'auberge, en fait, et du coup, qui avait entendu d'un client qui discutait. Et lui, apparemment, il tenait de quelqu'un d'autre, mais je ne saurais pas vous dire qui. Ah, à l'auberge, très bien. Écoutez, n'hésitez pas à discuter en disant que, mais non, vous savez de source sûre que Pharaon et les princes vont très très bien. Non, vraiment, que ça. Non, mais alors là, en fait, il vaut mieux, en tant que joueuse, là, il vaut mieux propager une autre info plus importante que de dire tout va bien, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus croustillant pour les gens de se dire que Pharaon est mort. Que de se dire, ah ben non, finalement tout va bien. Donc là, tout de suite maintenant, Non, mais attends, laisse-moi finir. Elle peut dire que tout va bien en papotant, tu vois, genre, ah ben non, j'ai discuté avec une égyptienne, elle dit que tout va bien. Ensuite, on va aller à l'auberge, on va discuter près des serveuses en faisant mine de rien, en disant, oh là là, le portrait de l'autre connard qui a voulu tuer Pharaon et les princes de Canaan, il ressemble à ça, ce serait drôlement bien qu'on l'attrape. Genre, oh là là, tout le monde a entendu, mais on discute, voilà, entre nous. Tu peux même dire qu'on l'a attrapé, qui c'était et tout. C'est... Oui, non, mais c'est ça. En fait, c'est de faire partir. Parce qu'en fait, les gens aussi aiment quand ils chopent des bruits, mais que c'est des informations qu'on leur a pas données volontairement. C'est genre, ah bah ouais, j'ai entendu dire que, voilà. Ça fera plus naturel si les serveuses ou chefs de l'auberge, j'en sais rien, moi, ils ont glané cette info en nous servant comme si on faisait pas attention, quoi.
Ah, après, je sais pas hein, ce que vous voulez. Mais non, je suis d'accord hein, de se mettre vraiment à l'auberge et être en mode « Oh, ben quand même, dis donc, ça fait du... Eh, c'est sacrée histoire, hein !» Incroyable. Servez-nous une bière, aubergiste. Avec des morceaux et que ça saute. Bah, alors ici, vous n'aurez pas de bière qui se mange. Oh non, oh non, oh bah on rentre à la maison. Hein, tout bah, choc des cultures, hein, choc des cultures. Demi-tour. Par contre, vous aurez du vin. Et il se mange? Non. Non, il se dilue parce que si tu bois pur, là, par contre, t'es quand même salement amoché. Aïe. Bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sponsorisé par le Capharnaüm. Exactement. Voilà, c'était le point. Voilà, il a pas fallu longtemps. Ouais, 21h05. Eh ben, c'est parti. Allons boire du vin en discutant fort. D'accord. Donc. Du coup, vous, je suppose, est-ce que vous gardez vos vêtements égyptiens? Est-ce que vous changez avant? Non, moi, pour discuter à l'auberge, je vais garder mes vêtements égyptiens. Oui, 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 il faut qu'on montre qu'on vient de l'Égypte et qu'on est égyptien et que du coup, nos infos sont fraîches. D'accord. Et que voilà, de toute façon, ceux qui savent parler la langue locale parleront la langue locale. On est certain, on va baragouiner égyptien, tu vois, pour donner du local. On s'habille comme des égyptiens, on parle comme des égyptiens, on se comporte comme des égyptiens. Donc on est. Marcher comme des égyptiens. Putain, ça va être pénible hein, si on doit marcher comme des égyptiens, on va pas avancer. Donc en gros, ouais, vous comportez comme des putains de touristes. Ouais. On a payé trop trop cher. Non, bon, ça, le touriste, c'est un peu trop difficile. S'il vous plaît, qu'on paye pas trop trop cher. Donc non non voilà c'est, si ça sent l'égyptien ça va payer 10% de plus et ça comprendra pas pourquoi. Vraiment il y en a pas un d'entre nous qui est un peu plus d'ici genre Inara? Bah si c'est si. Et bah toi t'es habillée comment? Moi je marche pas comme un égyptien hein. Et tu t'es habillée comment? T'es habillée comme une égyptienne ou? Non il me semble pas. Après je pense. Je crois que t'étais fait... habillée comme à la mode de chez toi il me semble. Comme ouais, sur ta BP en fait. Non mais c'est ça, plus c'est... proche de ce qui se fait du coup, j'imagine, dans le coin. Non mais ça c'est pas grave, il y a plusieurs. Alors, si on envoie quelqu'un à l'auberge, c'est elle d'abord hein, pour payer. C'est celle qui commande, c'est Inara. Oui. Oui, d'accord. Oui, même dans un GDR, je suis près de mes sous, il y a quoi? D'accord, donc bah, du coup la marchande vous donne bien volontiers le chemin pour aller à l'auberge où travaille Sarah, qui est également sa cousine. Et donc c'est l'auberge du chameau baveur. Oh, et putain. Ainsi nommé, parce que quand vous arrivez devant, vous voyez qu'on a peint sur le... On a peint sur le mur une petite fresque très réaliste, ouais, très réaliste d'un chameau qui crache sur quelqu'un. Est-ce voilà. que c'est un beau crachat ça sur le mur? Alors, est-ce que ça représente une scène qui s'est passée à cet endroit? Est-ce que c'est une histoire passée du propriétaire? Un mythe. Non, ça n'arrive jamais. Donc c'est pas de vous arrivez donc c'est pas le type d'auberge à égyptienne que vous connaissez. Enfin le concept même d'auberge est assez universel. Mais ouais. Et là disons vous êtes il fait moins chaud. Il fait beaucoup moins chaud que dans la vallée du Nil. Donc la terrasse est plus grande, les gens sont davantage à l'extérieur, ils sont sous des figuiers. Ça traîne, ça joue à des jeux de société. Vous avez des gamins qui jouent aux osselets dans un coin de la cour. C'est la journée, donc il n'y a pas trop de monde. Il y a 2-3 personnes qui sont en train de finir de manger un petit snack. Mais ouais, c'est une maison qui est un petit peu plus ouverte en fait sur l'extérieur que ce que vous connaissez en Égypte. Alors, quel est l'endroit où visuellement les serveuses tout ça où ils peuvent mieux nous écouter?
pour une... le milieu de la pièce, le milieu de, le milieu de la porte. Hein. Pour une fois que dans un jeu, on cherche l'endroit où on nous entendra le mieux dans un bar. Ouais. Oh bah tiens, si on s'asseyait là, c'est charmant, dit-elle en très très fort en égyptien. Donc bah, quand une fois que vous êtes assise, vous voyez une serveuse qui commence à tourner autour de votre table et un petit peu... Oh bon, regardez, une serveuse tourne autour de notre table, ouais. Est-ce que bah, par hasard, ces dames et ce monsieur voudraient commander ? Moi, je sourire niais, je regarde Inara et les Furotep, genre... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Quoi ? Eh ? Désolée, je suis égyptienne. Je laisse la parole à Inara. Du coup, bah, la serveuse s'adresse à Inara, puisqu'elle a compris que c'était à peu près la seule de la table qui parlait probablement une langue normale, quoi, qui s'écrit pas avec des dessins. Et elle lui dit, ouais, bah, du coup, qu'est-ce que je peux vous servir ? Vous voulez boire, manger ? Je vais réactiver mon micro, pardon. On l'entend pas, Moutka, c'est bizarre. Ouais, bah non, je ne parle pas, je regarde bêtement moi aussi. Non, pas du tout. je vais évidemment commander à boire. Mes amis égyptiens et moi-même prendront du vin, bien sûr. Quel égyptien partout, s'il te plaît. Mes amis égyptiens, tout juste arrivé de... D'Égypte, incroyable. Subtilité quand tu nous tiens. Par contre, je pense qu'un vrai repas, ça nous ferait du bien parce que du coup, on a dû faire que des frishti pendant le désert, je suppose. Oui, vous avez pas. Ouais, c'était pas du 3 étoiles, quoi. Ça. Ouais. Et bon, on va commander tout ce qu'on peut commander. Allez. Pour accueillir dignement mes amis égyptiens. Qui viennent tout juste d'arriver. Qui viennent juste d'arriver, les pauvres. Moi, je fais des gifs avec rigole en égyptien en dessous. Et donc là, t'as la serveuse qui regarde, qui dit bah non, mais après, si vous voulez commander tout, on peut même vous tuer un agneau hein, s'il faut. Oh, mais laissez l'agneau tranquille! C'est peut-être un peu beaucoup, hein, on n'est pas si nombreux que ça, mais. S'il te plaît. Il est où l'agneau? Il est où? You, le mignon. Non, on va pas commencer à aller sauver tous les agneaux du quartier. Non. Non, mais juste on le tue pas, c'est tout. Voilà. Celui-là, il a rien fait. Ouais. Une spécialité locale, oui. Bah, du coup, vous avez du vin avec une carafe d'eau pour diluer. vous avez des bons poissons, vous avez des carpes, cuites aux herbes. On vous apporte des feuilles de vigne farcies, enfin tout. Hein. Ça vous change, hein, c'est de la cuisine méditerranéenne. Ah, ça change de l'Égypte, hein. Ça change, hein. Bah, du sud de l'Égypte, vous êtes de Ouasset quand même, hein. Vous êtes pas du oh là là, c'est drôle, parce qu'en Égypte, d'où je viens, c'est pas les mêmes repas. De la bière avec des morceaux, on a un peu faim en buvant, là. Elle vous apporte même un plat d'une délicatesse du coin, c'est du foie frais que vous allez pouvoir enrober dans une espèce de petite crêpe comme un âne, en fait, et que vous allez tremper dans des épices. Pas celui qui fait i-an, hein, non. je vous ai vu, je vous ai senti bugger. Merde. Vous enrobez dans une petite donc vous prenez un morceau de foie dans une petite crêpe avec des feuilles de menthe avec un petit peu d'épices et vous mangez ça et c'est très très bon. Il y a Fitzgoon qui nous demande si on a crotté, j'ai pas compris. vous crevez. Vous crottez. Vous croyez que la serveuse a compris qu'elles sont égyptiennes? Je veux bien merci de préciser, Fitz, parce que certes, le transit intestinal est une chose très importante. Avez-vous croqué sur la serveuse? Ah, bah non, c'est se tenir quand même. Hein. Quand même, les Égyptiens, voilà, là. Nous avons quand même un certain standard à tenir à cette table. Et on ne parlera pas des fonctions corporelles des.
des personnages. Sauf exception. Non, mais nous, on est des princesses, on fait pas pipi ni caca. Non, jamais. Vous avez pas fait pipi ni caca dans le désert. Non. Non. Vous avez pas creusé un trou pour faire caca dedans. Table, absolument pas. Calme-toi. Le final n'existe pas en jeu de rôle, il faut le savoir. Voilà. On est des filles, donc en général, ça n'existe pas chez nous. La serveuse nous parle en quelle langue ? Et la serveuse, elle vous parle principalement dans sa langue à elle. Après, elle baragouine un petit peu en égyptien. Elle connaît quelques... très clairement, elle est pas bilingue. Hein. Mais bon, c'est une serveuse d'auberge. Elle baragouine. Ok. Donc, à voix basse, j'inciterai Inara à m'interroger en patois local sur les nouvelles que je ramène de l'Égypte. Hein, c'est évidemment ce que je vais faire. Hein, tout le long. Ah, mais bon, ça y est. C'est arrivé juste aujourd'hui, tout de suite. Plaisir de vous voir là. C'est grave. Incroyable. Eh, on vient d'Égypte. Ça faisait si longtemps, n'hésitez pas à me tenir au courant de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec le pharaon là? Parce qu'on entend des bruits. Fouloulou. Fouloulou. Attends, il faut que je fasse. Donnez-moi du carton, je vais faire un écran de télé parce que. Oh là là. Fouloulou. Ok, tout va bien, tout va très très bien. Donc du coup, je vais te raconter que effectivement, il y a eu une tentative contre la vie de Pharaon qui a été habilement déjouée et que j'ai pu assister et croiser moi-même à la sortie de la ville à la tête de l'assassin, enfin du celui qui a tenté à la vie de Pharaon au sommet d'une pique à l'extérieur de la ville Et j'ai vu le pharaon parader dans les rues pour lui montrer à tout le peuple qu'il était bel et bien vivant, hein, que cette tentative avait échoué, que nul n'abat le roi soleil. Oh là là, et il y avait même les princes de Canaan à côté, super vivants et tout. Hein. Alors, et là, tu vois, et la serveuse, tu vois, qu'elle traîne l'oreille. Hein. Tu vois que ça l'intéresse. Ça intéresse, et puis à un moment il y tient plus, quoi. Il vous entend parler, c'est trop fort, quoi. Je veux dire, ouais, je veux être la première sur les potes, hein. Ouais. Sarah number one, raconter, mais ouais, Sarah number one du rago de Jérusalem. Faut pas déconner, hein, attention, c'est du sérieux. et donc elle arrive, elle dit Attendez, mais c'est fou ce que vous racontez. Mais il s'est quand même passé quelque chose du coup en Égypte, il y a au moins eu quelque chose qui a été essayé, qui a été tenté. C'est ah oui, quelque chose a été tenté, et je vous dirais même on a entendu les rumeurs les plus folles, quoi. Je vous dirais même que la reine a été blessée dans cette tentative, mais ils sont tous tout à fait en bonne santé pardon, le vent. Ah, je crache. Mais... non, parce que vous vous rendez compte, enfin, ouais, je trouve ça fou si Toutmosis est mort, ça veut peut-être dire qu'on peut essayer de retrouver notre liberté, hein. Alors, on vous a dit qu'on est égyptien. Enfin, moi, je dis mais ça. Attendez, mais moi j'ai du mal à croire parce que là, vous me dites, mais c'est complètement l'inverse de ce qu'on entend depuis deux jours. Vous êtes les premières à dire ça, enfin, citez vos sources, quoi. Égyptienne, ok, hein. Ce bijou là vient d'Égypte, ok, d'accord. Ça, c'est un papyrus qui vient d'Égypte. Ça, ce pagne, il vient de ok, d'accord. Sinon, on fait un faux papier signé de la main du pharaon. MDR, je suis en vie. Hein. Non, personne. Allez, non. Regarde, alors... il a fait une selfie avant-hier sur son Instagram. Bah, du coup, bon.
Qui préférez-vous croire? Nous sommes égyptiens et nous venons à peine d'arriver. Je ne sais pas qui est venu raconter de telles choses il y a 2 jours, mais leurs informations sont fausses. Effectivement, il y a eu une tentative, mais elle n'a pas réussi du tout. Je pense que ces gens sont allés beaucoup trop vite en conclusion et qu'ils répandent des informations dangereuses pour vous, si vous essayez... Enfin, je n'ose imaginer la situation ce pays essayait de reprendre une autonomie alors que Pharaon est vivant, et cette erreur serait dramatique. Ouais, heureusement, il n'y a pas mort d'homme. Un effet rotep. Joue avec une feuille de vigne. C'est rigolo. Donc, serveuse, elle regarde, elle dit ouais, bon. Non, mais d'accord, ok, bon. Enfin, on est quand même tous d'accord qu'il s'est passé quelque chose. Quoi. Ah oui, ça, je ne le nie pas, mais. Je trouve ça quand même absolument dingue. Parce que moi, si vous voulez, j'ai vécu hein, la campagne de Toutmosis, j'habitais déjà à Jérusalem. Hein. Nous, ça fait. On est des citadins aussi. Depuis 2 générations. On est des vrais citadins de générations. Hein. Je sais pas si c'est une vraie bonne idée, ça, par contre. De quoi de faire oui, moi aussi, je suis venue prendre contrôle de ton pays, femmelette. Nous sommes venus botter le cul de ton père. Voilà. Mais. Vous voyez, bon. Moi, vous savez, je veux pas parler de politique, mais. Un peu quand même. On est un protectorat et c'est bien, mais pour l'instant, c'est quand même surtout l'Égypte qui profite de nous que nous qui profitons de l'Égypte. Oui, enfin, vous avez perdu quand même. Ça, c'était le grand talent de diplomatie de Neferhotep. La serveuse, elle te regarde. T'as l'impression qu'Aris de cracher dans le verre de vin qu'elle t'apportera ensuite. Ah, mais moi, c'est sorti tout seul, genre même pas choqué, quoi. Ah, je lui colle un coup dans les côtes, un coup de genou dans les fémurs, enfin, quelque chose, quoi. La grande plaque dans le dos de Neferhotep, genre. Il est con. Il est assez con. Je crois qu'il y a eu un peu trop de vin, votre ami. Oui, oui, beaucoup. Hein, c'est l'alcool, tout ça. Ouais, bon. Ça tient pas l'alcool. Je rebois une gorgée pour la peine. Et je vais me taire. Bah, écoutez, moi, je crois que je vais vous laisser. Hein. Voilà, c'est dommage. Hein, on a fait le portrait de ce coupable là qui a tenté de tuer Pharaon et les princes de Canaan. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Vous avez vu sa tête sur une pique? Oui? Non, pas lui. Enfin bref. Ah si, oui. Mais du coup, mettez-vous d'accord, vous avez vu sa tête sur une pique ou quoi? Ah, moi, oui. Bon. Et du coup, il était fait comment? Eh ben, ça. C'est le destin avec juste le rond, la barbe. Ben voilà. Le volant de bâton. Mais il a perdu son micro, mais qui est toujours là. Oui, je viens de voir le message. Mais c'est... Mais du coup, parce que... C'était quoi le... Putain, j'ai paumé le nom de cet enfoiré. Amosis. Amosis, oui, ben voilà, ben je décris Amosis. C'est bien des Égyptiens, ça, quand même. C'est bien des Égyptiens. Comment ça? C'est-à-dire? Vous m'excuserez, mais les Égyptiens, vous êtes pas tout à fait comme nous, quoi. Vous êtes beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup de complots dans votre pays. J'ai envie de lui répondre, c'est la rançon de la gloire, mais je pense qu'elle va mal le prendre encore. Écoutez, je suis sûre qu'en cherchant bien, je vous trouve 2-3 connards à l'auberge aussi, hein, mais bon. Je dis ça, là.
mais c'est pas sur la même, c'est pas à la même échelle, c'est pas. Vous, est-ce que vous faites emmerder le soir quand vous rentrez chez vous déjà, hein? Bah voilà, voilà. Bah non, parce que j'ai mis juste au-dessus en fait. Bon, est-ce que vous faites emmerder par les clients à l'auberge? Bah, de temps en temps, mais j'ai un gourdin, alors vous savez, il m'emmerde pas deux fois. Oh, hein. Bah, vous savez, nous aussi, on a ce point commun que, voilà, on se fait emmerder aussi à l'auberge, on n'est pas si différents, hein. Men are trash. Men are trash, indeed. Ouais, ouais, ouais. Non, le vrai problème, c'est les mecs. Regard appuyé sur des ferrotes. Elle te fait... demande, c'est les hommes. Ah non, mais elle te fait... Non, mais je suis bien d'accord, hein. Quand, pour rester dans le domaine de l'Égypte, vous voyez, à Rana Chepsut, qui a précédé toute Moussis, enfin, nous, on préférait beaucoup, quoi. Déjà, elle nous foutait la paix. Et puis, on commerçait, c'était pas... c'est sur la fin de son règne, hein, que l'autre petit con est venu faire ses campagnes guerrières chez nous, hein. C'est... Je m'étouffe un petit peu sur ce que je suis en train de manger à l'autre petit con, tu vois. C'est un coup de... Je tape pas très fort dans le dos, genre vraiment, genre ça va aller, hein. Je t'étouffe pas, hein. Oui, oui, l'autre petit con. Oui, oui, derrière, oui, oui, je vais te tuer dans ton sommeil, madame, si tu continues. Arrête, pourquoi j'ai les rumeurs. Mais ouais, non, mais après, c'est quand même intéressant ce que vous dites, hein, c'est... Bah, comment on pourrait vous prouver que ce qu'on dit est vrai à la place de ceux qui sont passés il y a deux jours? En quoi eux sont plus crédibles que nous? C'est pas... Vous pouvez pas, c'est ça qui est beau. Vous voyez, moi, c'est ce que j'aime dans ce métier. Putain... moi, je suis d'avis, les gars. Merci, madame la serveuse, hein. Retourne à ton travail, va essuyer les tables. Moi, je suis d'avis quand même de repartir sur du. On lance un truc plus gros, les gars. Hein. Et on lance un truc, faut que ce soit un truc, mais mille fois plus gros, en mode ils sont vivants parce que X chose, et cette X chose est mille fois plus ouf. Menton, bas les couilles. Tant qu'on dit qu'il est en vie, faut lancer un truc plus gros, faut que ça fasse du bruit. Bon, et là, tu parles en égyptien trop vite, et la meuf, elle comprend plus rien, donc elle est partie, s'occuper des autres clients. Très très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, le problème, c'est qu'effectivement, on arrive pour des mondes. Mais c'est le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'au niveau de l'information, si c'est moins intéressant ou si c'est pour venir annuler un truc qui avait l'air trop cool, les gens s'en foutent. Hein, c'est la loi du cerveau. C'est-à-dire qu'eux, ils préfèrent croire ce qu'ils ont envie de croire. Donc là, il faut réussir à dire qu'il est en vie, mais parce qu'il s'est passé autre chose, genre du coup, complot ou je sais pas quoi, mais un truc de fou. Si vous me suivez. Si t'as une idée de mensonge qui te semble tenir la route, on ne pourra que appuyer en parlant plus bas. Je fais des guillemets avec les doigts. On n'a pas encore inventé les guillemets, heureusement, il y a quelques... t'as quelques milliers d'années avant de pouvoir faire ce geste. Non, mais... Par contre, tu peux faire des hiéroglyphes avec les doigts. Clin d'œil. C'est ça, hiéroglyphes. Wink, wink. En parlant à peine plus bas, en mode « Oh non, mais quand même... » Enfin, si elle savait vraiment ce qui s'est passé, blablabla... Bla, bla, tu vois, en faisant croire que c'est un truc qu'on peut pas dire, mais il faut un truc hyper qui passe de ouf, tu vois, genre, je sais pas, je suis en train de réfléchir, mais j'arrive pas à réfléchir. Moi, j'ai une super idée, mais je peux pas vous la dire, quoi. Ah, non, tu nous l'as dit en off. Allez, t'es notre copine avant d'être notre MJ, non? je vois ce que vous avez imaginé, parce que ce sera encore mieux, je suis sûre. Bon, ça peut être quoi. Moi, j'avais envie de rebondir sur ma tentative de la reine a été blessée, de peut-être dire que, je sais pas, que. Et il paraîtrait qu'elle est enceinte et que, oh là là, vous imaginez! Ah, qu'elle a perdu le bébé et que lui, il est anéanti, mais qu'il a survécu à ça, ou je sais pas. C'est ça. Ça peut être pas mal un bébé. Moi, j'aurais bien pensé, comme ouais. Il a dit qu'on est d'accord que la rumeur, là, c'est le pharaon qui est censé être mort. Hein. Ouais. Et les princes aussi, tout le monde. Et les princes, ouais. Et les princes, ah putain. Oh, il paraît même que ce sont les princes qui ont sauvé le pharaon. Oui, alors ça pourrait être stylé.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de... Alors, ça n'existait peut-être pas à l'époque, mais tu sais, les doublures comme les politiques quand ils se baladent, tu sais, leur... Regardez, j'ai cette photo sur papyrus. Mais non, mais tu sais, des fois, t'avais des... je sais que ça existait où, quand, comment, pourquoi, j'en sais rien, mais des fois, t'as des doublures de... Enfin, des... Je sais pas comment dire. T'as le sosie, quoi, déjà. Oui, oui. C'est... Ouais, voilà, mais leur dire... Oh là là, il y a eu un attentat, effectivement, mais c'est leur... Là, il s'y attendait et du coup c'est un faux sous un masque de. Mais du coup il sera capable de dire oui mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas le bon qui est mort quand même quoi. Il faut un truc, je te dis, faut un truc plus fort. Le bébé c'est pas mal. Le bébé, c'est parce que pas du coup mal, ça fait un peu tirer sur la corde sensible de la serveuse tout ça. Pardon. Oui. Oui si c'est bon. Ok. Ah ok. Parce qu'on a tous, je pense... Il paraît que Pharaon a changé de titre et qu'il veut qu'on l'appelle Raphaon. J'adore, merci. Non, mais l'idée du leurre était pas mal. Et après, bon, j'ai pas de vraies connaissances sur l'Égypte, mais Inara en a, bien sûr. usé du fait que Raphaon est censé être plus ou moins divin quand même. Et là, ça fait un truc gros, quoi. Il n'a pas sa forme finale, Pharaon. Une larve actuellement, un jour il sera papillon. De lumière. Moi, je serais quand même avis sur... Dis Marie, qu'on aime. Oui. Tu t'aimes quand même. Bon désintéressé d'amour d'amour au MJ. ça pour que tu me donnes ton idée. Mais oui, en effet, Pharaon est bien. Enfin, vous considérez Pharaon comme c'est un souverain de droit divin, mais qui est aussi d'essence divine. J'ai cru que tu allais dire on le considère comme un souverain de droite. Je me suis dit, what? Oui, bah oui. Ouf, un peu, quelque part. Non, un peu, quand un même. Un gros communiste, quand même, en Égypte. Donc. On va... Non, techniquement, Pharaon peut pas être de droite. Déjà parce qu'il est beaucoup moins sexy. Pas avade, attention. Si tu viens de droite, tu perds un point de sexitude. Hein. On est en direct. C'est hard. Hein. C'est hard. Mais oui, on peut monter un gros bobard comme quoi la toute-puissance divine de Pharaon a terrassé dans un... Raphaon. Ouais, bah ça va être Raphaon tout le temps, je pense. Pas. Parce que même Minchka a dit Raphaon quand. C'est très possible. Raphaon, ça fait vraiment Raphaon. Demande à Raphaon. 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 C'est Raphaon. Raphaon. Tu Raphaon. Voilà Raphaon. Alors Jean-Pierre Raphaon a pris le pouvoir en Égypte. C'est bon, vous voulez une petite remarque, un petit peu le bien. Raphaon, allez hop. Après, on peut changer d'auberge et puis aller continuer à faire courir nos rumeurs dans l'auberge d'après en rajoutant encore une couche sur du coup la cette tentative d'assassinat que le Pharaon aurait déjoué et on murmure même qu'il se serait transformé en je ne sais trop quoi. Mais si on reste dans la même, justement, et qu'on a l'air de parler un peu plus entre nous, en mode « Ah, c'est bon, on s'est débarrassé de cette serveuse qui nous écoutait un peu trop », ça va certainement la titiller, quoi, après, aussi. Après la discussion. Mais ce petit côté, justement, là, on pouvait pas lui dire, et « Ah, là, la pauvre, si seulement elle savait, tu vois. » Mais clairement. Et puis, moi, je peux parler entre l'Égyptien et le pas égyptien, et faire genre « Oups !» Oh non, j'ai... Oh non. Ah, ma langue a fourché. Oh my god. Alors, d'accord, vous faites ça? Bah oui, on fait genre... Ah là là. On se raconte des secrets. Donc, du coup, bah, j'ai demandé... Je vais vous demander un test de charisme quand même, en sachant que c'est un petit peu... C'est difficile quand même, hein. Le charisme. Alors, est-ce qu'on fait des mauvais jets? Non, on fait des beaux jets. C'est bien. Charisme.
J'ai tout donné. T'as tout donné. Tu prends le plus petit, comme d'hab. Le pauvre. Le plus petit. Eh ben non. Ah, merde. Non, je vais prendre le plus gros quand même parce que c'est la capacité à accrocher. Attention, ben oui. C'est okay. Pas parce qu'il y en a deux qui ont un charisme d'une cuillère à soupe subitement, contrairement à leur habitude. Waouh. Ça fait mal. Je veux changer d'auberge, cette fille, elle est toute pourrie, personne ne m'aime. Ah, mes copains. Donc, du coup, vous réussissez quand même. Hein, vous voyez bien que la serveuse, elle est quand même curieuse. Hein. Elle est quand même curieuse, donc elle se rapproche. Elle écoute. Et puis bon, elle parle quand même un petit peu mieux égyptien que ce qu'il y a eu. Enfin, on comprend toujours mieux que... On me parle, oui. Vous voyez qu'il y a l'œil quand même qui pétille, quoi. C'est. C'est peut-être bien de la bonne info, ça. Oui. Tu vois, enfin, elle passe quand même un sacré moment à nettoyer la table à côté de vous. Vas-y, frotte. Frotte, frotte, frotte. Et ensuite, elle balaye, la cour a jamais été aussi propre dans un rayon d'1m50 autour de votre table. Plus souvent pour l'auberge. Oh merde, elle a renversé un plat, elle va devoir tout nettoyer encore. Je vais vraiment faire exprès de highlighter certains mots en les disant pas en égyptien. Quoi? Oh non, oups, j'ai touché, quoi. Oh mon dieu. Quoi? Une cafetière? Des mots qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'histoire. Pardon, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Cafetière. Jésus, vraiment. L'intérêt. Quoi? Très bien. Donc, grâce au charme du groupe, n'est-ce pas? Grâce au charme global de certains éléments du groupe. Je trouve que Inara et moi, on se débrouille trop, en fait. On fait la discussion. Du coup, mis à part les répandre les rumeurs, est-ce qu'on peut avoir un intérêt à aller voir des officiels dans le coin ou est-ce qu'il faut juste qu'on trace notre route C'est comme vous voulez, vous pouvez essayer d'aller voir des officiels. Après, qu'est-ce que. Ça dépend ce que vous voulez leur dire. Ce ne sera pas beaucoup plus efficace. Il y a un roi à Jérusalem. Donc, alors, c'est un petit roi. C'est comme le roi de Megiddo, c'est comme le roi de Kadesh, c'est des petits rois, mais ça reste quand même des rois. Non, mais déjà, est-ce qu'on sera bien accueillis, tu vois? Puis est-ce qu'on risque pas de perdre en crédibilité si on veut vraiment forcer le truc, aller voir tous les officiels Parce que, je vous rappelle, vous n'avez pas le soutien, enfin, vous êtes toute seule. Oui, bah oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'on essaie de pas non plus dire officiellement qu'on est envoyé par le Pharaon, parce que on n'est pas forcément très bien reçu non plus, quoi. Oh là là. On propose qu'on répande les rumeurs et qu'après on disparaisse en se changeant soudainement avec des robes de laine multicolores. Et par contre, je voulais qu'on essaye aussi d'en apprendre plus sur les gars qui sont passés il y a 2 jours et qui ont répandu toutes ces rumeurs. Eux, ils étaient certainement pas égyptiens. Mais du coup, vous essayez de brancher de nouveau la serveuse? Bon, ou d'essayer de même en repartant de l'auberge, mais essayer de retracer un petit peu leur trajet dans la ville et... d'en apprendre un peu plus sur eux. Bon, au final, on sait qu'ils sont habillés en noir et que c'est des gros enculés, mais... Bah oui, il semblait que mes bons amis Murci et Ben Keshina devaient passer par là. C'est vraiment bizarre que je ne les vois pas. Bon, il arrive en avance. Tu demandes ça à la serveuse, du coup? Ah oui, je vois qu'elle passe par là en lui redemandant des feuilles de vigne et compagnie. Et tu regardes Murci, Ben Teshina. Bah, Murci, c'est un nom courant. Murci, c'est un nom courant. Ben Teshina, ça me dit rien. Est-ce qu'il y en avait un qui avait deux marchands. Soit ils sont passés là il y a 2 jours, soit ils vont passer dans 2 jours. Hein, vraiment, c'est...
Il y a un velu avec une cicatrice sur le menton. Un velu, ils sont tous... Non, il a une cicatrice sur la pommette. Ici, on n'est pas en Égypte, hein. Les gens, ils se rasent pas comme vous, donc c'est pas forcément très... La reine nous trash talk, là. Et la cicatrice sur le visage, ça lui dit rien ? Regardez, il ressemble à ça, j'ai fait un dessin. C'est la meuf encore. Ah non, mais merci, Ben Téchina, ça me dit rien, sincèrement. Si vous voulez, je peux me renseigner, mais... Ouais, enfin, j'ai une bonne mémoire des noms, mais moi, des meurtriers, j'en connais, mais c'est pas des marchands. Et puis, ils sont d'ici. Et Ben Téchina, ce nom me dit rien, enfin... Ils étaient peut-être pas... avec un groupe hein, qui serait passé il y a vraiment pas longtemps. Mais sinon, c'est pas grave. Hein. Il avait pas un bonnet. Non, il y avait pas de bonnet. Il y a un beaucoup de gens qui ont des bonnets, madame, vous le savez. Et la cicatrice sur la pommette, ça lui dit rien ? Ouais. Non, franchement, elle voit pas. Elle voit pas. Ah, c'est dommage. Hein. Oh là 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 là. Mais ils étaient pas égyptiens, ces types-là, c'est sûr. Nous, on est égyptien. On a dû se louper de peu. Hein, ok, elle te regarde et fait. Ouais, j'avais remarqué que vous étiez égyptien. Ouais. Ah bon ? Comment vous avez deviné ? Je sais pas. Quelque chose dans votre allure. Oh, vous êtes trop forte. Bon, bah, plan B, on se balade dans la rue. Est-ce que vous avez vu des empoilés avec une tête de connard, s'il vous plaît ? Alors, des connards, a priori, il n'y en a pas beaucoup par ici. Donc, après, elle est quand même sympa. Elle dit, non, mais vous savez, après, il y a plusieurs auberges. Hein. Je ne suis pas la seule auberge de la ville. Hein. Ouais, enfin, si on doit aller boire du vin et poser la question à toutes les auberges de la ville, on est bien. La journée va être longue et ils vont finir par... Je pense que... Et vous ne vous servirez pas de réponse. Ça, puis le but du jeu, je pense qu'on... c'est qu'on ne prenne pas trop de retard pour qu'ils répondent pas trop de conneries. Bonjour. Avant qu'on arrive, quoi. Bonjour, monsieur et petit China, ils sont là. Bonjour. Quatrième auberge. Oh, les connards, marchands. Eh, c'est pas de connard, là. Eh, toi, hein, t'as du poil au torse, ça ressemble pas à merci, petit chien. Non, ça va mal finir, oui. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'est-ce pas? Oui. Si vous buvez plus de 2 verres par jour, tous les jours, t'as raison, votre médecin. Vous êtes alcoolique, voilà, c'est tout. Non, vous avez une consommation à risque. Voilà. Alors. Si tu dis à quelqu'un, si tu as un patient qui est avec lui, qui va se braquer, tu peux toujours courir derrière. Il nous accourt vite. Ça court vite un patient. Un peu comme Mercedes et Ben Téchina. T'es horrible. Joli. Joli. Voilà. C'est pour moi, merci. Alors, est-ce qu'on est plusieurs auberges ou est-ce qu'on disparaît ? Tcha, tcha, tcha. À quelle heure on était arrivé dans cette belle ville ? Il y a 4 heures. Sincèrement, je me souviens. Je crois qu'on va dire que c'est la fin d'après-midi. Parce que du coup, effectivement, on peut aller à la rigueur dormir dans une autre auberge. Comme ça, on fait courir un petit peu de rumeur, on regarde, on prend la température un peu le matin, voir comment ça se passe, et puis on se casse. Est-ce qu'il y a un endroit pour se laver dans ce bled ? Il me reste du crachat de chameau séché sur l'épaule. bah oui, vous avez des bains publics, madame. Ah, merci. On n'est pas des sauvages. Non, j'ai pas dit ça, c'est juste que je connais pas la ville. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'ailleurs, je trouve que je parle vachement bien votre langue depuis que j'ai bu ce vin. J'ai plus besoin de ça. C'est magique. Donc, non, du mais coup, après, bah, les questions. Vous avez... Oui. Les bains, c'est enfin les bains publics, c'est bon, c'est pas mixte, j'imagine. Il y a des heures pour les hommes, des heures pour les femmes. Comment ça se passe? C'est mixte. C'est mixte. Enfin, oui, on va venir avec toi, ne t'inquiète pas. On va répandre des rumeurs dans les bains. Bonjour. On cherche deux petites bites.
Qui court vite. Non, alors non, on a dit qu'on n'associait pas la virilité à la taille du pénis. Hein, non. Oh, c'est des connards, on a droit. Alors, on cherche. Des connards, oui, mais pas des petites bites. Ça se trouve, ils ont des grosses bites, mais ça reste des gros cons, tu vois. Bon. Gros con, grosse bite, est-ce que c'est relié? Écoute, je propose de faire une étude comparative. Non, t'inquiète pas. Bonjour monsieur micro-trottoir du Capharnaüm, êtes-vous un connard? Et si oui, quelle est la taille de votre bite? Voilà, voilà, voilà. Il y a des études là-dessus. Il est 21h44, tout va bien. Allez. Tout va très bien. Ben, Neferotep, il va aller au bain avec son pagne et sa... T'as bité ton couteau, quoi. Je me dis que si je fais rire la MJ, on va peut-être avoir des indices, tu vois. Non. Oh. Mais c'est bien tenté. Nul. Nul sur moi. Donc du coup, bah, vous repartez de l'auberge avec deux adresses. Celle des bains publics. Et celle bah, d'une auberge qui, elle, fait aussi... enfin, vous pouvez aussi dormir, alors que là, c'est quand même plutôt un restaurant où vous étiez. Il y en a beaucoup des auberges dodo ici. Ouais, bah il y en a quelques-unes. C'est quand même une route commerciale, donc. D'accord. Pour t'as savoir. Pas mal. Croiser ou pas. Ils allaient à Jérusalem ou Megiddo déjà. Jérusalem, je crois. Hein. Ils étaient dans leur. Ils nous avaient dit Jérusalem, mais du coup. Est-ce que c'est ils étaient déjà plus là, quoi. Parce que si après, de manière effective, il s'arrêtait à Jérusalem, on a peut-être des chances de les croiser. Quoi. Je pense que c'était le bobard qui nous avait sorti, mais si vraiment leur but est d'aller aller foutre le dawa, ils ont répandu leur saloperie ici, et puis continuer vers Megiddo pour aller crier plus fort « Guerre, guerre !» C'est pour guerre. Ça qu'il va pas falloir qu'on traîne trop non plus. Quoi. Oui, c'est pour ça que je proposais juste la nuit, et puis le démarrage le lendemain matin. Quoi. Un dodo, ouais. Multicolore, et let's go. Voilà. D'accord, donc vous allez au bain, donc les bains c'est un petit peu comme feront les Romains plus tard. Les bains c'est pas juste des bains, c'est aussi un endroit où les gens discutent, où les gens se rencontrent. Oui, c'est pour ça. Vous avez encore des vendeurs de bouffe parce qu'une des constantes de l'humanité, c'est qu'on veut bouffer partout où on est. Ah ouais, on peut boire aussi dans nos bains. Oh, c'est trop bien. Oui, vous pourrez boire dans votre bain. Ça vous coûtera un petit peu plus cher que si vous buvez à l'auberge, mais bon. Ah, m'en fous. C'est trop bien. Et donc là, vous avez vraiment de quoi vous laver, de quoi vous mettre propre. Vous avez également un coiffeur, un barbier. Ouais, enfin... ouais alors. Techniquement, j'ai une perruque, donc je suis chauve, c'est ça le. Ouais, bah peut-être que ça commence à repousser un petit peu, mais en effet, sous ta perruque, t'as pas grand-chose. Est-ce que je peux me faire rajuster le crâne, voilà. Oh oui, tu trouveras bien quelqu'un qui te mettra un coup de rasoir, oui, ça. Bah ouais. Ils te regarderont d'un peu bizarre parce que c'est quand même une manie d'Égyptien, mais après tout, si tu payes, hein, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de raser le crâne d'une meuf? Et si y en... enfin, pour m'aider à rajuster ou laver la perruque, potentiellement la recoiffer, parce que si jamais on doit. Bah, ça, tu sais probablement faire toi-même. Ouais, ok, ça marche. Ouais. Non, parce que je me dis que. Ça, c'est une manie d'Égyptien d'avoir des perruques aussi, j'imagine. Est-ce qu'avec une robe multicolore et sans perruque, je passerais plus inaperçue qu'avec ma perruque? Bah, tu passeras plus inaperçu. Dis donc, on verra bien que t'as soit les cheveux très courts, soit le crâne rasé. Mais bon, des fois, ça peut arriver parce que t'as des poux, soit parce que, enfin voilà, ouais, t'as eu un pépin qui t'a obligé à te raser le crâne. C'est rare, mais disons, ça t'attirera les regards. Ça fera moins égyptien. Bah, le but, ouais, en mettant les robes multicolores, c'est de faire moins égyptien. Donc, mais par contre, on risque de te demander ce qui t'est arrivé. Quoi. J'ai un cancer. Non, ça n'existe pas. Si, ça existe. Non, mais, c'est non, la chimiothérapie qu'on n'a pas inventée, mais... Non, mais... on a trouvé une momie qui avait des métastases osseuses d'un cancer du sein. Je veux dire, ça existe, mais on n'a pas de mots dessus. On n'a pas de... On sait pas. Oui, qu'est-ce non, mais... Voilà, je me doute que ça existe. Tout, tu connais Abouyag, du sanglier qui croise son copain cochon? Oula. Il dit salut, et alors comment ça se passe ta chimio?
Ah, oh, mais non. C'est une blague de médecin, quoi. C'est vraiment une blague de médecin. Non, bon, alors, on va dire que on a... Tu peux faire même avec un œuf et un kiwi, mais je préfère avec les animaux. C'est Pumba qui croise Babe. du coup, après notre voyage en total, mes cheveux ont bien repoussé. À la limite, je les fais juste... alors, pas rasé, mais juste une coupe moins désordonnée, quoi. Bah, et là, ça te fait... Naturellement, tu vas avoir les cheveux, tu vas avoir une petite brosse, quoi. Ouais, bon, pff, je vais les laisser pousser. Y a pas forcément grand chose à retailler. C'est bon. Mais voilà, comme ça, j'ai un bout de cheveux, et puis je mettrai pas ma perruque. Ça va me faire bizarre, je me sens nue. Oui, tu vas avoir froid au crâne. Ouais. Bon. Mais du coup, il y a du monde dans les bains. Ah oui, il y a du monde. Oui, on va en profiter pour refaire à peu près les mêmes salades. Incroyable. Pour une fois que Néférotep lit dans mes pensées. C'est parce que tu peux pas les écouter le reste du temps. Non, mais parce que la dernière fois, j'aurais bien aimé que tu entendes la pensée « Ne tue pas ma sœur !» Ne tue pas ta sœur. Techniquement, j'ai rien fait. Oui, bah si, indirectement. Mais soit, je ne te ferai pas un scandale ici. T'es bourré. Pas du tout. Mais ouais, on va refaire la même, je pense. D'accord. Donc vous refaites la même. Donc bah pareil, hein, je vais vous demander un test de charisme qui est difficile, donc c'est il faut faire 8 et plus. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah, 2. On fait tous le test de charisme ? Ouais, puisque bah c'est bon, enfin. Alors hein, quand on met les férotèpes tout ça tout nu, hein ? Néférotep sans pagne a plus de charisme qu'avec un pagne. Qui l'eût cru ? Voilà, voilà. Hein ? Donc, les pectoraux saillants de Néférotep attirent l'attention. Attirent l'œil et ses paroles la retiennent. Ah, je suppose que je dois faire un peu plus militaire, du coup, au final, avec. Je dois avoir quand même 2-3 blessures qui traînent. Ouais, t'as des petites cicatrices à des endroits intéressants. Ça, c'est un nouveau. C'est disons, on voit que t'es probablement pas agriculteur uniquement. Et j'ai une tache de naissance sur le torse qu'on voit bien pendant que j'ai pas trop de vêtements. Alors non, ça c'est pas une tache de naissance, ça c'est un crachat et c'était moi tout à l'heure quand je t'ai craché le ventre. T'es pas si bronzé que ça en fait. Ouais. Sacrée couche de crasse en fait. Ouais. Ah ça. Oh. Déçu. Enfin, je suis. Bon, j'attendais rien de toute façon. Moru. Voilà. Tu as tout à fait raison, 10 mecs en pagne 90% du temps. Donc, bah, pareil, vous... Alors, il n'y a personne qui vient vous parler directement, parce que, bon, vous êtes plusieurs, vous êtes un petit groupe, vous êtes clairement ensemble, donc ce ne serait pas forcément considéré comme très poli de la part des autres gens. Ouais, non, aller s'incruster, ouais, je pense que c'est moyen. Mais du coup, ils entendent bien. Ouais, les gens entendent bien, c'est... ça écoute, c'est intéressant, hein, ça intéresse du peuple. Putain, mais j'imagine vraiment les pieds dans le bain, quoi, genre... Oh là là Le truc invraisemblable au milieu du bain, avec la voix de Néférotep qui porte, et Inara... Quoi ? Pharaon ? Ah, on a reperdu Munchka, ou... Non, j'étais en train de m'étouffer, pardon. On te pardonne dans ce cas. Merde. Tout va bientôt bien, c'est rien. J'avais de travers et ça fait 5 minutes que je suis en train de m'étouffer avec de la limonade. Ben écoute, on te fait une manœuvre d'Emwish par la pensée. Je m'étouffe dans les bains publics. Ah, je suis
sur... Non, mais clairement, je suis là pour soutenir les mensonges. La MJ aime les personnes avec les abdos, des pecs et torse nu. Alors... Comme tout le monde. Qu'est-ce qui te fait dire ça? c'est un jeu, on est dans l'Égypte antique, je veux dire, tout le monde est à moitié à poil. Hein. Voilà, la plupart du temps. Et donc autant mater, quoi, ça sert pas à grand-chose sinon. Bah, je veux dire, tant qu'à faire un jeu dans l'Égypte antique, hein, autant profiter. Ouais. Voilà. Je propose qu'on fasse un jeu à l'époque grecque. Je ne joue pas le grec, mais je ferai pomper. Bref. Je pense qu'après ça, on ira prendre une nuit bien méritée dans une auberge et repartir le lendemain matin après avoir écouté les ragots du matin, voir si ça commence à circuler un petit peu en ville. Donc les ragots du matin, après votre nuit, bah, en effet, vous avez des rumeurs qui courent, des bruits qui enflent. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi, mais du coup, vous avez semé doutes. Il y a des versions conflictuelles. Ça se dispute pour savoir quelle est la vraie version. Vous avez l'impression que le prochain convoi qui arrivera d'Égypte va se faire interroger par tous les gens qui vont croiser. Pour essayer très bien. De voir ce qui se passe vraiment. Merde. C'est très bien. Le doute. Et que de tout ça ressortira probablement encore une énième version. Mais c'est comme ça que naissent les légendes. Mais le doute, ça suffit en vrai. Le doute, ça suffit. Ouais. Donc, du coup, vous repartez pour... vous allez repartir pour Megiddo. Donc, bon, et là, ça va dépendre un petit peu de votre vitesse de voyage. Du coup, je vais vous demander de faire un jet de voyage tout simplement et on prendra les résultats les plus mauvais. Bon, on va laisser. Voilà, Morgane s'est marré. Voilà. D'accord, donc non. Ça c'est fait. Vous cassez pas les pieds à jeter, hein, ça peut pas être pire. Ça sert à rien, on a le plus mauvais. On va dire qu'elle était bouffée, c'est pas elle qui conduit le cheval, que du coup on la met derrière pour nous tirer. Vous mettez derrière. Voilà. Donc, le problème c'est que. Mais t'avais déjà eu un problème avec ton chameau, toi, non? Mais oui! Oui, mais oui, oui. C'est trois fois que je fais de la merde! Oui, donc bah, cheval, chameau, c'est le même combat. Les animaux ne t'aiment pas, en fait. Le cheval! Les animaux de bas ne t'aiment pas, pour une raison que je ne comprends pas. Bah, moi non plus. Quand tu t'es lavé. Donc tu vas pas sentir un chameau, mais enfin voilà, ouais, c'est compliqué, ton cheval il t'obéit pas du tout en fait, hein. Du coup vous êtes obligé de vous arrêter souvent pour attendre que ton cheval veuille bien démarrer. D'ailleurs, à un moment tu te demandes si c'est un cheval vraiment qu'on t'a donné et pas un âne ou un muet, mais non, je te confirme, c'est un cheval. Je déteste ce cheval. Ouais, c'est juste un cheval qui a extrêmement mauvais caractère et qui n'en fait qu'à sa tête. Donc du coup, vous êtes obligé de dormir en route. Entre Mexico et Jérusalem, vous allez faire un petit et vous trouvez quand vient l'heure de vous arrêter. Vous trouvez un petit village sur le chemin. Alors là, par contre, il n'y a pas d'auberge. Et si vous dormez, si vous voulez dormir à l'intérieur, c'est un hameau, hein, donc il faudra demander à quelqu'un pour dormir dans sa grange ou dans son avec son âne et son bœuf, selon la tradition locale. Autant que faire se peut. Si je pouvais éviter de me faire piétiner pendant la nuit parce qu'ils ont fait un complot contre moi. Le plus loin possible des bêtes. Je vais mourir. Ok, bah écoute, on va aller toquer chez l'habitant. Bonjour. Je vais utiliser toute ma diplomatie en poche pour essayer d'amadouer finalement l'habitant, quoi. Bah du coup, donc Inara, bah tu joues sur ton turf, hein. Du coup je vais pas te demander de jeter l'idée. Tu connais très bien les usages locaux, tu sais comment demander pour avoir l'air sympa,
pas menaçante, pas encombrante. Et du coup, ça passe très très bien. Ils habitent, c'est une ferme. Alors vous avez toute une famille. Vous avez l'impression qu'il y a trois générations qui habitent dedans. C'est un peu grand. Il y en a, vous savez pas si ça va être des cousins, si ça va être des gars qui viennent travailler au champ et du coup qui sont logés. Enfin, en tout cas, on vous dit que vous pouvez dormir dans la grange avec d'autres membres défavorisés de la maisonnée. Peut-être des travailleurs, probablement des travailleurs des champs. Ouais. Et comme tout le monde a envie de savoir ce qui se passe dans le vaste monde... Du coup, on vous invite cordialement à venir dîner parce que bon, ben, l'hospitalité, c'est sacré. Donc venez dîner avec nous. On est déjà 20, qu'on soit 24, ça changera pas forcément grand chose. Donc dans la maison, bah ouais, c'est un peu bordel absolu. Vous avez des petits gamins qui courent partout. Vous avez des grands gamins qui courent moins partout, alors qu'ils travaillent déjà au champ, hein, donc c'est parce que bon, la vie est rude. Vous voyez, il y a deux femmes d'âge adulte qui sont enceintes. Il y en a une troisième qui n'est pas enceinte, mais qui est un peu plus jeune. Alors, est-ce que c'est une sœur d'une des deux? Est-ce que c'est une fille qui serait née tôt? Enfin, bref. Alors, est-ce qu'elle lorgne sur Néphirotep? Certaines. Surtout la grand-mère qui lorgne sur Néphirotep. On va le laisser parler parce que les grands-mères, ça donne les conseils à tout le monde. On écoute, tout le monde écoute les grands-mères. La grand-mère est à moitié aveugle, mais elle a quand même repéré le pectoral 8 ans. Néphirotep, assieds-toi à côté de mamie, là. Elle fait... Ah. Vous avez l'air égyptien. Mais non. Elle dit ça. Elle dit ça à la texture de mon pec gauche. Mais vous avez la voix. Vous parlez comme les Égyptiens. Ah bah oui, forcément. Ah oui. Et votre oreille est juste. Et vous savez, on n'arrive pas à 56 ans quoi sans avoir. Pardon ? En 35 ans, quoi ? Attendez. What ? C'est pas beau de vieillir. J'ai jamais bien su compter, vous savez. Ça fait deux fois. On n'arrive pas à mon âge sans savoir reconnaître un accent égyptien. Chérie, tu peux arrêter de déménager la maison, s'il te plaît? Je t'aime. Merci. Un vrai casserole, puis il a retourné la cuisine. Chérie, il va falloir se calmer, ok? Je lui demande si elle en a croisé beaucoup des Égyptiens, du coup, dans sa vie. Quand j'étais plus jeune. Genre deux, moche et poilu, il y a deux jours. Pardon. Non, ils sont toujours pas juste. Les chiens poilus, j'en ai pas vu beaucoup. Ah oui, non, putain, ils sont pas égyptiens, ils sont juste cons. Mais ils étaient. Alors déjà, ils sont pas égyptiens, ils sont... c'est des connards et ils sont poilus. Et alors vous savez, quand vous aurez mon âge de 80 et quelques années, vous rendrez compte d'être en cours de route. Beaucoup de connards en ce monde. Ah ouais. Oui, et ça j'imagine. Donc, qu'est-ce qui amène un bel Égyptien avec une dame du pays qui vous êtes... Vous n'êtes pas une paysanne, vous parlez comme les gens. Vous parlez comme les gens de la ville. Hein. Les gens de droite. Et puis vos deux amis qui. Elles comprennent pas grand chose de ce que je dis. Qu'est-ce qu'elle dit? Elles ont l'air égyptiennes aussi, du coup. Mais elles ont fait l'effort de. De ce que je vois, je vois pas grand chose, mais de ce que je vois, elles ont fait l'effort de s'habiller bien. Déjà, il n'y a pas tout à poil, là? Non, bah on s'est changé.
Ah, il y a des pénis dedans. Attends, je suis perdue en fait. Non, vous êtes plus dans le bain. Oh putain. Oui, dans le bain. Vous êtes parti, vous êtes à mi-chemin de Megiddo. Waouh. J'ai eu un trou. Désolée. On a un peu enchaîné, parce que de toute façon, ça servait à rien de répéter les mêmes bobards. Et du coup, on est passé au lendemain matin assez vite. J'ai raté les instants importants. On leur fait une machine à laver maintenant. Une machine à quoi? C'est pour, c'est pour laver le linge sale en famille. Une machine. C'est une mauvaise... Pardon, madame de soins égyptienne. Faites pas le trajet à poil. Nope. À poil, c'est les mecs qui étaient avant qu'on cherche. En poil. Bah, qu'est-ce qu'on fait dans le coin? On accompagne Daminara jusque. On raccompagne Daminara jusqu'à son pays. Ah. C'est pas tout à fait faux. Ah, c'est ouais. Complètement vrai. C'est bien, c'est... il faut pas laisser. Il faut pas laisser les jeunes dames de la noblesse comme ça voyager toute seule. Elle nous a proposé de nous montrer son pays, donc on en profite. Ah, c'est un beau pays. Ah, oh, c'est un beau pays. Oh là là. D'accord, donc, merci madame. On y va ? On dort là. Ah merde, ouais, très très long. Et voilà, du coup, vous savez, ouais, c'est un beau pays, hein, et des gens, ils sont pas contents des Égyptiens. Moi, ça m'est égal. j'ai eu un mot de moi. Oui. C'est... Ah non, il y a la paix. Oui, la paix, c'est bien. Il y a moins de gens qui meurent. Oui. Puis Pharaon... Et là, vous voyez, depuis quelques jours, ça crie, ça, y a mon gendre là, qui s'énerve. Ça parle de se rebeller contre les Égyptiens, mais des Égyptiens, il y en a à peine ici. Des Égyptiens, il y en a à peine. Il y a quelques nobles qui passent, mais les nobles, qu'ils soient Égyptiens ou qu'ils soient de chez nous, c'est pareil. C'est des nobles, ça sert à rien. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, je vois bien que vous êtes noble, mais vous êtes une vraie dame. Hein ? Toutes ces paroles de rébellion et de guerre, de bouter les Égyptiens hors de Canaan. C'est récent qu'ils s'énervent à ce point ? Vous savez ce qu'on dit? On dit qu'il y a nos deux petits princes qui ont été tués par Pharaon. Mais depuis quand on dit ça et qui dit ça? Parce que c'est complètement faux. Ah, parce que nous, on vient d'Égypte. Ah, ça fait quelques jours, mais vous savez, les rumeurs, comment ça se fait? Je saurais pas vous dire d'où elle vient, les rumeurs. On t'a appris une phrase en patois local et c'est... Non, parce que nous, on vient d'Égypte. Et de temps en temps, on fait des signes pour que tu la ressortes. C'est le nouveau hyper-hyper, tu vois. Ça fait 2-3 jours, mes gendres, ils ne tiennent plus, ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Non, parce que je me dis que la mamie, elle aurait un pharaon à côté d'elle, comme elle a des Néferhotep, elle l'aimerait bien. C'est qui vos gendres? Comment ça s'appelle, vos gendres? Bah, c'est de qui servent à rien, il y a... Ah, bon, nous là. Mais non, il y a ce pauvre David, mais il sert à rien. David, mais je dis pas ça parce qu'il est boiteux. Mon premier mari, il était boiteux aussi. Bah tout va bien. Bon, et je lui ai quand même fait 3 enfants. Il y en a 2 qui sont morts. Super. Et Dieu n'ont pas voulu. Mais... Avec son pied boiteux, il va pas aller faire la guerre en Égypte, ce garçon. Enfin, c'est n'importe quoi. Ah, il faudrait... De toute façon, ils finiront par obéir à leur femme. Hein. C'est des garçons sensés. Il le faut.
sinon, qu'est-ce que... Et donc, elle se met à parler à Inelgemet, elle voit bien que vous comprenez un mot sur trois. Et du coup, bah, comme font les vieux face aux gens qui parlent pas leur langue, du coup, elle parle pareil, mais beaucoup plus fort. Dire, et alors, est-ce que vous aimez? Vous aimez le pays? Alors, au bout, on fait oui. C'est oui, la première fois. Oui, en souriant. La première fois, vous venez. Ah, est-ce que vous pouvez nous chanter une petite chanson de chez vous? Hein? Non, vous comprenez rien de ce que je dis. Ah, pauvre. Je chuchote une traduction. Moi, je disais oui à tout ce qu'elle disait. Là, je fais non. Bon, ce qui est en train d'arriver, c'est un merveilleux. Bon. Donc tu veux pas chanter? Vous allez où? Ah! Elle veut chanter? Non. Ah si, allez. Non, mais elle a peut-être des plaies, des trucs genre. Je fais un coup de coude d'ail, genre, je sais pas, elle a des black cards, un pied beau, des plaies, j'en sais rien, soit il a fait quelque chose. Détourne son attention! Je t'en passe, elle va mourir bientôt. tout de suite. Il me pousse déjà dans la tombe. Ça peut s'arranger si vous voulez, hein. Je lui donne un petit médicament, elle fait dodo. J'ai une plante, un truc dans mon sac, hein, t'inquiète. Ok, alors on doit sauver les agneaux et tuer les vieilles, je note. Voilà, parce que c'est notre projet. Nous sachons. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On est en train de mourir, madame. Non, c'est juste que j'ai fait un antigénique aujourd'hui, je suis négative, donc je pense que c'est le pollen hein, qui me fait tousser. Il t'a mis tellement loin que ça te fait tousser encore. T'as planté trop de trucs dans ton jardin. Même pas, c'était... Le jardin, ça commence à peine. Enfin, j'ai pas encore trop de trucs, mais ça va venir. Allez, viens, toi. Alors, non. Alors, si tu parles à la mamie comme ça, elle va venir. J'ai pas entendu. Elle va t'agresser, tu vas même pas te rendre compte. Dites, mon beau monsieur. Il a dit, viens, toi. Il a vu, viens donc sur mes genoux, je te préfère du rodéo. Eh ben dis donc, les Égyptiens, oh là là. Ils sont chauds, les Égyptiens, oui, très chauds. Oui. C'est ce que j'ai toujours entendu dire. Mais non, j'ai juste ramassé le chat de la maison et je me suis mis sur les genoux pendant que la vieille parle. Non, mais profitez-en, mamie, en plus il est tout propre. Ça va pas durer. J'ai passé dans deux semaines, je me rappelle le métal. Hein. C'est gentil, ma petite chatte, hein. Ah oui, vous la caressez bien. Il suffit. La gérontophilie, c'est non. Voilà. Hey, y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Le ronron sauvage. Y a pas de mal à se faire du bien. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Je comprends ce qu'ils font à cause de toi, chef. Un petit chat. Hmm. Oh, à cause de toi. Non, grâce à elle. Pas pareil. Grâce à elle, on t'a mis mamie sur les genoux. C'est pour qu'elle entende mieux. Bon. Donc non, bah, on va dire à mamie que de toute façon, la guerre, personne n'y gagnerait rien, ni eux, ni l'Égypte. Les Égyptiens, gagneraient rien, nous. C'est juste pour si c'est juste pour perdre encore des hommes, ça sert à rien. Oui, Eh oui. Bah, mon deuxième mari, il est mort dans la guerre contre les Égyptiens. Ah, par curiosité, vous avez eu combien de maris? J'ai dit... Je sais pas bien compter. On est mal, c'est parce que si elle nous parle de ses maris toute la nuit... Moi, je vais me coucher, les gars. Je vous laisse avec ma mita. Hein. Moi, je vais essayer de m'entraîner à dormir les yeux ouverts par politesse.
Non, mais en usant de politesse, on a peut-être moyen de dire qu'on est très fatigué. Enfin, ouais. mes pauvres amis qui débarquent à peine d'Égypte. Ah, oh, le décalage horaire, quoi. Tout ça. Et en effet, quand vous prenez mamie par les sentiments, elle fait « Oh, mais bien sûr, mes pauvres, allez vous coucher, allez vous reposer. Il alors, fallait m'arrêter bien avant. » Nous, les filles, on dort ensemble, mais Néferhotep, il est tout seul, ce serait dommage de le laisser tout seul, mamie. N'hésite pas à prendre un tour de garde avec mamie. Non, mais non. De toute façon, elle est insomniaque, c'est les vieux, c'est bien connu, ça dort pas. Moi, j'ai encore mon mari. Enfin... Vous êtes sûr? Niveau combien? Oh, je sais pas bien compter. Et elle fait un geste de la main là-bas. Et elle vous désigne un homme qui a l'air d'être à peu près 15 ans, son cadet. Ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Tu aimes bien le micro, chaton. Oui, on a entendu, oui. Oui. Ça a fait un gros brrr. Et il a l'air vivant, le mec ou... Ah ouais, il a l'air vivant. Bah, il a l'air d'avoir une cinquantaine d'années, quoi. Elle a pas des maris empaillés. Non, mais c'est ça. Non, il n'y a pas des maris. Ok. Et je lui fais au mec. Enfin, vous êtes le combien de sièmes? Je sais pas, il a jamais su compter. Ah bon? Ah. D'accord. Bien, et ben on va aller faire dodo, hein? Sur ce. Salut, bonne nuit. Donc eh ben, vous allez vous coucher et puis la nuit se passe sans histoire. Hein. Pardon. Toujours dormir quand même que d'un œil au cas où les sens sont aux aguets et pas toujours vérifier au petit matin que toutes nos affaires sont toujours là, hein. Eh ben, vos affaires sont toujours là, les tours de garde se passent très tranquillement. Il n'y a pas de souci. Et du coup, au matin, vous pouvez repartir de nouveau sur vos chevaux. Abri abattu, Nedjemet, on te regarde. Abri de plus ou moins abattu. Je monte derrière Inara, voilà. L'abandon. Je suis pas à l'aise toute seule sur un cheval. Je ne sais pas conduire. Pardon. Et donc Néferhotep, on va passer en DM. Oh là là. Oh ouais. Là là. Ouais. J'ai lancé DM. Ça fait des secrets, quoi. Ouais. Raconte-moi bah, des choses. Ouais. Alors, c'est con, il n'y a pas d'autre salon vocal parce que sinon vous auriez changé de salon. Oui, on peut faire un switch. Sur Capernaum, sinon, non ? Bah, tu peux créer un salon secondaire vite fait. Oui, ça se crée. Bref, comme ça vous switchez le public. Le public. La foule en délire. Vous entend toujours. Voilà. Ouais, ok. Alors attends, du coup, comment on va sur le CAF? Bah, même là, il suffit de rajouter un petit salon vocal. Hein. Oui, c'est vrai, oui, même là, oui. Alors, je pense que tu sais juste copier. Non, pas copier. Ah, flûte sincère textuelle. Je suis mauvaise. Je suis mauvaise à Discord. Salon vocal, ajouter salon vocal. Ok, ouais, je suis pas sûre qu'Emi, j'ai créé un privé MJ. Hop, coup, je saute. Ouais, je vérifie que vous nous entendez toujours. Et là, public. Chat. C'est pour raconter son histoire haute avec mamie. Alors non, j'espère pas. Un, deux. Le chat n'est pas très réactif.
façon, il n'y a pas de raison qu'ils nous entendent. Ouais, 1, 2, 3. Voilà. Ok. Merci, Pitsugun. Vas-y, je t'écoute. Ok. Donc, du coup, bah, Neferotep, t'es parti de Wasset avec deux choses dans tes bagages. Oui. Donc, des ordres scellés que tu devais ouvrir à proximité, en arrivant sur Megiddo. Oui. Et un coffret scellé. De bois scellé, lourd, assez orné, assez mystérieux, il faut bien le dire. Et donc, bah, quand tu ouvres, donc c'est un rouleau de papyrus hein, que tu as. Quand tu ouvres, donc tu vois des ordres de la main de Pharaon qui te disent, bah, en substance, voilà, dans le coffre contient la tête coupée d'Amosis. Ça, il me l'avait dit déjà, donc ça, c'était pas une surprise. Quand tu arriveras à Megiddo, donc il est possible que les choses ne soient pas passées comme prévu, que peut-être que tu seras seul sans tes compagnes, peut-être que tu auras perdu les lettres, peut-être que tu auras tout perdu, mais j'espère que tu auras quand même gardé ce coffret et secouru avec ta vie. La meilleure preuve qu'on puisse donner de notre bonne foi, c'est la tête coupée de notre ennemi pour jeter la peur dans le cœur de nos ennemis, en leur expliquant bien que selon nos croyances, un corps démembré ne renaîtra pas dans l'autre monde. Et également, donc j'ai toute confiance en tes amis. Mais sois tout de même très prudent. Edda Minara n'est malgré tout pas des nôtres. J'ai peur que la sœur de notre sauveuse ne t'en veuille. Sois extrêmement prudent. Et quand tu seras face au roi de Megiddo, je veux que, de même que tu m'avais offert de sacrifier ta vie, que tu lui offres de sacrifier ta vie en guise de pardon de n'avoir pas su garder ses fils en sécurité. Ok. D'accord. C'est pas comme si je l'avais proposé plusieurs fois, donc voilà. Mais je me suis habituée à revivre ces derniers jours. C'était pas si mal. Si habituée à la joie de vivre, ouais, finalement. D'accord. On s'habitue. Ok. Bien, d'accord. Bah, écoute, je vais ranger tout ça. Il n'y a pas de lettres supplémentaires qu'il aurait préparées pour au cas où qu'on Minara paumait les autres. Ouais. Okay. Non, il n'y avait que les lettres des princes, puisqu'au final, Pharaon et Vizir avaient considéré que un courrier qui viendrait de lui, ça paraîtrait pas forcément très crédible. Dans les trucs qu'on trimballe toujours sur nous, et je pense que Nedjemet, elle a un sceau royal à la main. Oui, Nedjemet a eu un sceau royal. Au moins une espèce de preuve. Oui. De... Vous avez une preuve de provenance après. Le coffre où se trouvait la tête dessus, t'as la cartouche de Pharaon. Enfin, c'est oui, voilà. L'égyptien très orné. Ça se trouve pas dans le pas d'un cheval. Quoi. Ok, ça va. Bah écoute, je reroule tout ça. Si j'en ai pas plus besoin que ça, je pense que je vais même m'en débarrasser en fait, maintenant que je l'ai. Et me préparer pour la fin du trajet, hein. Mentalement. Ok. Bon, on y go ? Ouais. C'est où ? Oh mon dieu ! Re. Et re, et là, il y a des choses de toute beauté qui se sont passées dans le avez-vous chat. Avez-vous vu Rafaron ? Rafaron ! C'est génial ! J'ai tout donné, voilà, c'est cadeau. Merci, c'est un bonheur.
Je pense que si tu peux l'enregistrer, le jeter au milieu de la table, il sera parfait. C'est laquelle qui est morte de rire et qui n'en peut plus. Je sais pas si le chat nous entend, mais on vous prépare un petit truc au petit oignon. Là. Par la très talentueuse Munchka, je fais Photoshop en une minute. Oui. C'est cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Franchement, voilà. Très qualitatif, c'est... j'adore. On dirait un pape en fait. Même au niveau des couleurs, je trouve pas dégueu. Je trouve bien. Ouais, ça colle bien, hein. Franchement, ça colle très bien. Rien à redire. Ouais. Ah ouais, non, c'est magnifique. Bon. Voilà, voilà. Pendant que je la mise en histoire à part. Voilà, c'est moi, c'est MNCHK _ bien sûr, follow. Voilà. Nul en Égypte, mais alors par contre, pour photoshopper en 2 secondes, t'inquiète. Raffaon. Donc, du coup, que s'est-il passé? Eh ben... Neferotep fera un petit feu au matin et dans le cadre, il va vite fait faire brûler des papiers. Des papiers russes, bien sûr. Des papiers russes. Bah oui. Donc du coup, votre fin d'itinéraire se passe plutôt tranquille. Il y a du monde sur la route, c'est assez fréquenté. Donc vous croisez pas mal de voyageurs dans un sens et dans l'autre, qu'ils soient à pied, à cheval, à chameau. Mais moi, je à dos de ce que vous voulez, mais toujours avec quelqu'un. Voilà. Je ne fais plus de voyage, c'est fini, j'arrête. Ouais. Il faudra rentrer quand même, tu sais. Non, je rentre pas. Et donc, quand l'après-midi avance, vous arrivez à Megiddo. Donc Megiddo, c'est au centre d'une vaste plaine. Megiddo, c'est ce qui a donné le mot Armageddon. D'accord. Megiddo, ça a été siège de bataille extrêmement sanglante, justement. Il y a eu un siège avec... Enfin, les Égyptiens ont fait le siège de Megiddo. Toutmosis a fait le siège de Megiddo. Et a fini par gagner. Et donc c'est suite à ces batailles que donc le royaume de Megiddo ainsi que le royaume, enfin que tous les royaumes de Canaan en fait sont devenus des protectorats égyptiens plus ou moins formels. Et donc Megiddo c'est comme Jérusalem, c'est construit sur une petite colline, sauf que là c'est au milieu d'une plaine plutôt qu'au milieu de plusieurs autres collines. Et aussi c'est un terrain qui est riche, hein, vous avez des fermes, vous avez des champs, vous avez du blé qui commence à devenir doré. C'est très très beau, c'est très très pastoral, et au centre vous avez cette forteresse. Parce que Megiddo, donc c'est une ville qui est à peine plus petite que Jérusalem, mais Megiddo a des murs qui sont très hauts, et Megiddo c'est une forteresse imprenable autrement qu'en en faisant le siège. Et donc c'est assez saisissant ce château fort géant en fait qui s'élève au milieu de la plaine. Et c'est une plaine qui est très bucolique. Vous avez des... Au loin, par endroits, vous voyez des gazelles qui s'enfoncent sous les arbres. Vous avez des oiseaux qui chantent, mais ça vous rappelle quand même le passé violent de cette terre. Et donc, quand vous arrivez aux portes de Megiddo, la vie est en ébullition. Éveillez ton ébullition et on vous arrête à la porte. On dit arrête.
les étrangers sont interdits d'entrer dans Megiddo. Ah. Ah, ok. Ah. Ah, c'est bien. Ah, merde. Donc, prouvez votre appartenance et... Ah bah, c'est dommage. Ah. Ouais, ah. Est-ce qu'on peut filouter est-ce qu'il y a moyen de filouter en... Moi, je... Ah. Donc, il t'entend parler, Inara, et c'est vrai que t'as à peu près l'accent du pays. Donc, il te regarde et il dit dis chibolette. Chibolette. Pardon ? Bah, toi là qui parles bien, dis chibolette. Chibolette ? Bah, c'est bon, allez, c'est bon. chibolette ! Chipolata ? Il est déjà mettre une parle pas. Tu restes collé à Inara. Et ça, en fait, on en a reparlé il y a pas longtemps avec l'Ukraine, avec les Ukrainiens, qui faisaient dire Paglianitsa aux soldats qui croisaient pour voir s'ils étaient russes ou ukrainiens. Et en fait, c'était... Alors, c'est un petit peu plus tardif, mais bon. C'était dans les armées des Tambiwik. En fait, ben, pour identifier les gens, tu les identifiais par l'accent. En fait, et apparemment, en hébreu, t'en as qui disent chibouillette, mais avec un vieil accent tout pourri. Et donc, c'est pas des gens qui sont gentils. Et donc, ils ont pas le droit de rentrer dans le camp. Énorme. Ouais, c'est génial, je trouve. Et donc, on a un accent. Ouais, et donc, mais toi, du coup, Inara, t'as l'accent d'ici. Hein. Alors, peut-être que Néphirotep, quand il le... Dis chibolette, c'est un coup de coude à Néphirotep. Dis chibolette. J'ai essayé, mais je suis sûr que... Je vais te demander un test de connaissance du monde, on va dire, pour voir si t'as le bon accent. Putain. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour aider en mode, ce sont mes bons amis Mes amis, malheureusement. Chibolette. Il faut vraiment que je me montre. Ouais, donc on est sur Otep, là, ça passe pas. Les autres, ça passe. Hein. Vous parlez deux mots de canaanite, mais chibolette, ça en fait partie. par contre, les Otep est un petit peu. Bah non, tu rentres pas, toi. Ah mais c'est pas grave, on le laisse là. Non, je regarde. C'est mon compagnon, je peux pas le laisser derrière. Écoutez, les ordres sont les ordres. Après, si vous voulez en appeler à la hiérarchie, hein, madame, je vous laisse faire. Hein, je vois que vous parlez comme une dame, donc peut-être que vous avez des connaissances à la cour, mais ça, je vous laisserai gérer avec eux. Mais moi, mes ordres sont clairs et nets. Il n'y a pas un étranger qui rentre dans mes guidos. Je te fais un signe de tête, genre vas-y, fonce. Un égyptien. Fonce. Ah oh bah oui, de toute façon, il faut qu'on arrive jusqu'au palais, et donc il y a un moment, il va falloir monter vers les supérieurs. Ok. Ok, et il y a personne à qui je peux m'adresser là tout de suite pour que tu passes avec nous? Bah là, tout de suite, c'est les deux pecnos qui tiennent la garde, quoi. Si je leur monte mes seins. Mais... Wow. Tu sais que ça marche pas dans l'Antiquité, on avait déjà la simplaire. Non, mais franchement, sur un malentendu ou autre chose, je peux montrer ma chatte aussi, pas trop. Oh, mais non. Ah, la délicatesse. Non, mais écoute... aussi, enfin, quelque chose, quoi, mais il n'y a pas moyen de les gringuer un peu. Si tu veux montrer tes seins, bah, fais-moi un test de charisme, mais je te demande de faire plus de 10. Ah, plus de 10, hein. Oh, merde. Enfin, 10 ou plus, allez. 10 ou plus. Charisme, t'as dit? Oh, putain, je suis tellement dans la merde. Que le signe, c'est impossible. Il faut faire 5 ou 6. Impossible. Alors. Ah. Donc, déjà, elle n'arrive pas à montrer ses seins, tu vois. Peut-être la gueule par terre. En fait, t'arrives pas à défaire ta tunique parce que c'est un modèle que tu connais pas. Donc, on te regarde un peu perplexe, genre, bah, fait quoi là? C'est compliqué toutes ces couches de vêtements locaux, hein. Tu sais pas comment ça marche. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai levé la première robe en mode et en fait, il y avait vraiment un autre vêtement en dessous. L'effet est raté, quoi. Merde. Bah, et deux plantons, ils te regardent, vaguement inquiets.
Tu lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des puces dans sa robe? Qu'est-ce que. Ça va, madame? Vous avez un problème? Pardonnez l'attitude de mon ami voyager. Puisque vous parlez de palais, justement, ça tombe bien, c'est là que nous nous rendons. De toute urgence. Cependant, mon ami que vous refoulez à l'entrée est aussi attendu. Allez, fais péter, tes supérieurs, gros. Bah. Non, mais c'est les ordres, hein, madame. Moi, j'y peux rien. Hein. C'est enfin. Je veux dire, mais bon, si. Enfin bon. Si vous voulez vraiment, enfin mon supérieur, c'est Capitaine Maratis. Maratis, je note, parce que c'est important. Capitaine au boulot de brebis, là. Oh. Ouais, je sais pas comment ça s'écrit, Maratis. Moi, je sais pas écrire. Ça ne m'étonne pas. Non, mais madame, moi, je suis polie avec vous. Enfin. Non, mais excusez-moi, beaucoup de voyages. Ouh, fatigue. Poulala. Pouloulou. 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 Et votre supérieur, il est où là actuellement? Il dort la pilule ou. Il doit être quelque part au poste de garde au palais, je pense. Hein. Enfin, normalement, c'est acquis, hein, la journée, donc. Bah, j'imagine que je n'ai pas le choix que d'aller le voir au plus vite. Bon, allons trouver le capitaine Salakis. Au bon lit de brebis. À quoi ça sert que j'ai qu'une Wikipédia pour vous trouver des noms et titres? Ah oui, mais ça sert à rien. Oui, alors la reine Semiramis, hein, ça va plus bien. Bon, écoute, moi, qui était le père du roi Murci, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de lien. Vraiment, il n'y a pas de. Pas de lien entre le capitaine de la garde. Ouais, c'est pas de. Bah écoute, moi je vais laisser les filles partir devant, puis je vais m'agenouiller devant les deux gardes, et puis voilà, je médite jusqu'à ce qu'elles reviennent. Comme Gérard. Oui, exactement. C'est ça. Mais en moins de place. Mais avec c'est une petite hache discrète dans mon dos et pas de lame, voilà. Bah au moins il peut pas oublier de son dialogue, hein. Ah bah non. J'espère. Donc voilà, je me mets en mode faire passer le temps. D'accord, donc du coup les filles, bah vous partez au palais. Ah là là, chibolette. Ah. Chibolette, là, il est incapable de dire trop nul quoi. Chiboulette. Ciboulette. Pour me faire des dessins de sa bite, il y a du monde pour montrer les contrats. Alors pour dire un mot, il n'y a plus personne. Bah super. Les hommes, hein. Vraiment les hommes. Quoi. Non, c'est fou comme son charisme s'est révélé dès qu'il a enlevé ses vêtements. Il aurait pu faire la même chose, mais non, il va se démerder. Bah super. Hein. Le mec qui se fout à poil devant les gars pour faire chibolette. Oui, mais d'accord. Ne vous choquez pas, je vais devoir vous convaincre, mais avant ça, je vais devoir mettre tout nu. Ne voyez pas là une agression, mais c'est ainsi que je performe le mieux. Et écoute, voilà, moi c'est la malédiction de Neferhotep. N'est crédible que s'il ne porte aucun vêtement. Hein, voilà, désolé. je te raconte pas comment c'est compliqué d'être devenu capitaine de la garde avec ce handicap. Hein. En fait, t'as convaincu Raphaël. Mais le hasard total, c'était tout. T'as dit, ok, c'est lui.
remettre une... Attendez, je vais vous... Pour mémoire, je vais nous allons... gestionnaire de Benia. Nous allons ressortir Pharaon. Raphaon. Empire Raphaon. Toutes nos six dans un petit coin. Oh, vite, exorcisons, vite. Oh oui. Oh, je peux en faire un montage aussi, bien sûr. Il sent bon le sable de En fait, la tronche de toute Moses quand il a vu s'est fait rentrer à poids. Merci. Ouais. Pas mal. Allez, viens. Je peux travailler avec ça. Je peux. Allez, on valide. Haut turbin. Hop. Puis il s'est trompé de baraquement et c'est le drame. Depuis, il est devenu capitaine. Voilà, voilà. Bon, ceci était un petit aparté sur la carrière de Neferhotep. Carrière qui a été fulgurante. Qui va donc passer sa journée à méditer. Voilà. Hein ? Allez. Du coup, les autres, bah, je suppose que vous allez au cabinet. Au cabinet. Au palais. C'est vrai, bien sûr. Alors, non. Sauf si vous en avez vraiment très envie. Aller aux toilettes, ça fait un mois. Tu veux un Foriax? Donc, bah, Inara, bon, toi tu connais très bien la vie, hein, tu y as habité pendant des années. File comme le vent, pile poil. C'est, ouais, tu connais, c'est ton turf. C'est ton turf, tu connais... Tu connais la plupart des gens importants. Il y en a certains qui ont changé depuis quelques années que toi t'es parti en Égypte, mais il n'y a quand même pas eu tant de renouvellement que ça. Et tu sais que ben, même ceux que tu n'as jamais rencontrés avant, ils te connaîtront de nom, ils reconnaîtront ton nom. Et que t'es quand même une dame de compagnie de la reine. Donc bon, faut être un peu honnête. Ça pèse son poids parce que t'es pas une dame de compagnie qui se contente juste de faire des tresses. T'es une diplomate en fait. Mais c'est super bien faire les tresses. Voilà. T'es une diplomate qui sait bien faire les tresses. Ouais. T'as plusieurs talents dans l'existence. Et donc bah, tu trouves très facilement le chemin de des baraquements qui sont à côté du palais. Et donc bah, tu... Alors par contre, bah, les troufions, tu les connais pas, tu les calcules pas. Mais capitaine Maratis, toi ça te dit rien. Non, t'évoques pas grand chose, mais bon. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler ce capitaine. Alors il ressemblera à... Ce sera une image qu'il faudrait que vous fassiez dans votre tête en fait, parce que je m'y suis pris à la ramasse pour... ouais, c'est le jeu en carton. D'accord. Pardon. Donc ouais, je vous fais toutes mes excuses pour ce contretemps. Mais après, ouais, le problème c'est que bah, des dessins à peu près sympas de gens habillés en costume de cette période, on n'a pas tant que ça en fait. Donc le capitaine Maratis, c'est un vieux briscard. En fait, tu connais pas, mais c'est probablement parce qu'il était posté ailleurs qu'à Megiddo. Et ça sent un type en fin de carrière, tu vois, qui est venu prendre... qui s'est rapproché de la vie pour être près de sa famille, parce qu'il en a marre d'être en campagne, parce qu'il veut un petit peu de confort pour préparer ses vieux jours, et que dans pas longtemps, il prendra sa retraite, et il se rangera complètement des affaires. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, on arrive... Tour l'air, voilà, parce qu'il est, il est trop vieux pour ce genre de conneries, quoi. Oups. Et donc bon, c'est vous mettez un petit peu de temps pour accéder jusqu'à lui, mais Inara, t'es en mode d'Aminara à qui rien ne résiste, et donc assez rapidement vous retrouvez en sa présence. C'est bien moi. Bah mesdames, comment puis-je vous être utile?
Eh bien, pardon, j'ai un bug, voilà. Je vous fais un verre d'eau. Ouais, je pense que là, le verre d'eau ne sera pas trop. Ah, elle ne va pas bien. Non, il se trouve que nous avons une question à rendre au palais, mais que malheureusement, l'un des membres de notre glorieuse équipe est bloqué à l'entrée. On m'a dit de venir voir avec le capitaine Maratis. C'est inadmissible. Vous savez, c'est les ordres du roi. Hein. Moi, je... Et là, pour un coup, madame, je suis bien désolée, mais... c'est le genre d'ordre auquel on obéit avec sa vie. Alors, il se trouve que mes compagnons de voyage ont risqué leur vie pour pouvoir se rendre ici. Bon, on est un peu à égalité, quoi. Waouh! T'es en train de lui demander. Ouais! Écoutez, moi, j'ai vous laissé. Je suppose que vous êtes la fameuse dame Inara qui fait partie des maisons de Sa Majesté la Reine. C'est moi. Je pense que je suis pas assez payée pour ça, en fait. Je vais vous laisser aller et trouver le roi, en fait, je pense. Carrément. Waouh. Parce que là, ça me paraît... Bonjour, Jean-Michel Dépassé. Ouais, c'est ça. Je peux pas, sincèrement... j'ai pas envie de me faire chier avec ça, quoi. Et je le comprends. On n'aurait pas envie de se faire chier à moins que ça. Hein. Vous connaissez le chemin, je suppose. J'ai juste vous demander 5 minutes. J'ai envoyé quelqu'un. Prévenir et pour vous annoncer. Et puis ensuite, vous pourrez y aller, hein, je pense. Ah, merci bien. De rien. C'est, voilà. Donc il dépêche un de ses gars qui soit à peu près bien sapé et qui sache fruit. S'exprimer, ouais, merci. ensuite vous allez pouvoir être introduit auprès du roi Saruma. Le roi Saruma, par contre, tu le connais bien. Je dirais pas que c'est ton poteau, mais ça s'en rapproche un petit peu quand même. Tu es la suivante de la reine. Tu connais très bien la cour. Saruma, tu as entendu Sa Majesté râler dessus quand il était bourré. C'est bon, tu gères. Et donc c'est son fils c'est Harry Teshub, c'est un des deux princes que tu avais été chargé d'accompagner. Et donc quand vous êtes introduit donc au palais qui est assez encore une fois assez guerrier, c'est pas les beaux palais aérés, jolis, décoratifs de l'Égypte. Et là, on est sur du palais forteresse qui doit être fonctionnel, qui doit pouvoir résister à la guerre. Malgré tout, ça reste un palais, donc les décors sont riches. Vous avez des tentures qui sont teintées de pourpre, donc cette couleur très rare qu'on trouve qu'en Méditerranée. Vous avez des... Il y a des vases en or, enfin, c'est...
On est dans la magnificence sévère, on va dire. Et donc, vous êtes introduite auprès du roi Saruma qui est dans son... qui est dans sa salle du trône, hein, tout simplement. Avec ses conseillers autour. Saruma, c'est un homme qui va bientôt avoir une soixantaine d'années. Très brun, qui a des... son corps porte de nombreuses cicatrices des batailles qu'il a menées. Et c'est un roi guerrier, mais c'est aussi un roi diplomate, c'est-à-dire que en se rendant à la fin du siège de Megiddo, il a quand même sauvé son peuple. Et avec les autres rois de Canaan, il a réussi à faire un traité de paix suffisamment assez équilibré, somme toute. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des protectorats, ils payent des impôts, mais ils sont globalement autonomes. Et ils ont de toute façon très clairement une fonction d'état tampon entre l'Égypte et Mitanni au nord. Et donc quand vous êtes introduite, donc toi il te reconnaît tout de suite, Inara, hein, c'est... mais il t'attendait pas du tout. Enfin. Il t'attendait pas du tout, faut vite te dire. Parce que toi, tu reconnais, par contre, tu vois que tu connais très bien cette cour et tu vois qu'il y a de la tension dans l'air. Il y a plus de gardes que d'habitude. Et qui sont armés, qui sont très bien armés. Et tu vois, les visages sont fermés et bah, visiblement, quelqu'un qui revient d'Égypte, où est son fils. Avec, bah vous savez qu'il y a des rumeurs qui courent, mais vous savez pas ce que lui a entendu. Il risque d'avoir quelques questions. Alors oui, c'est bien légitime. Donc il te salue et dit... Bienvenue, Dame Inara. Quelle nouvelle d'Égypte nous apportes-tu ? Pour ça, c'est... plutôt à de vous en parler, je pense. Eh bien, j'écoute. Malheureusement, nous ne sommes pas au complet, puisque nous avons un membre qui est resté bloqué aux portes, puisqu'il n'a pas l'accent de la région, malheureusement. Paulette. Et je me sentirais très, très mal à l'aise de venir aux nouvelles, finalement, sans lui. Pourquoi devrais-je accepter la présence d'un Égyptien dans mes murs ? Cet Égyptien m'a accompagné et a assuré ma... Sans surprise. Je t'entends très mal. Oui, t'es un peu haché. Mais comment ça ? Mais enfin... Attendez... Et là, on la perd totalement. Ça, oui. Allô ? Oui ! Oh, oui. Ok. Pourquoi devrais-je faire confiance à un Égyptien ? Il m'a accompagné durant tout le trajet sans jamais sourciller et a assuré ma sécurité lors de nos rencontres étranges, ma foi, tout du long. T'as montré sa bite. Non. C'est pas vrai. Il est dans les bains. Oui, t'avais qu'à pas regarder, hein. Non, mais c'est une personne de confiance et qui n'est pas du genre à faire des coups fourrés. Je vais te demander un jet de charisme pour savoir si tu as réussi à convaincre. Olé.
Oh non. J'ai vraiment confiance. Hein. Eh ben, c'est une réussite brillante. C'est une réussite brillante. Il accepte de le recevoir et il lui offre un travail dans la minute qui suit. Donc, c'est, il accepte de le recevoir et il lui envoie chercher par deux gardes d'honneur. Oh là là. Et il fait préparer des sièges et des rafraîchissements devant le trône pour vous écouter lorsque vous serez... Tu as détendu l'ambiance au passage, c'est bien. Ouais. C'est parce qu'il a pas vu les dessins que moi j'ai fait de Pharaon, quoi. Si je lui montre, je suis sûre il va me laisser passer, c'est sûr. Il va tout me laisser passer. Je ne montrais ni pec, ni sein, ni touche, ni rien du tout. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Moi, je n'ai pas besoin des atouts de mon corps. Je sais maîtriser Photoshop. Je sais maîtriser Photoshop et je sais dire Chipolata, donc vraiment... Chipolata. Bien, 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 bien. Ah... Si ça rassure les gardes royaux, je leur file tout mon barda. Ah oui, ils te prennent tes armes. Au moment où je les vois arriver, je dépose les armes devant moi d'avance. Non, non, ils te prennent tes armes et ils t'escortent. Et donc, je suppose que vous avez vos affaires avec vous qui vous ont suivi. Donc, vous êtes introduit dans la cour... court devant tout le monde. Et donc, ensuite, le roi te regarde, Inara, et te dit, bien, maintenant que vous êtes au complet, j'espère, Dame Inara, que vous expliquerez pourquoi vous avez quitté mon fils en Égypte. Bien sûr, parce que je m'en souviens, évidemment. Oh la vache. Je me souviens de tout. Je pose un genou à terre et la boîte devant moi avec le sceau de Raphaon dessus. Et si votre Altesse le permet. C'est fini. Et on va revenir, il va dire ouais, vous m'avez manqué de respect, tout le monde m'appelle Raphaon. Non. C'est faux. Raphaon est mort, vive Raphaon. Allez. Donc du coup, Néferhotep, tu mets un genou en terre et avec la boîte. La boîte, et puis j'ai dit, si votre Altesse le permet, j'aimerais prendre la parole. Parle, Égyptien. Nous avons quitté l'Égypte pour vous porter des nouvelles. Ils ne sont certainement pas les nouvelles que vous avez entendues et qui courent dans votre pays. Un complot a été organisé contre la vie de Pharaon. Et un complot qui visait aussi la vie des princes. Un complot que nous avons déjoué. Le contenu de cette boîte en est la preuve. Permettez, je vais l'ouvrir. Fais un signe de main, te donnant la permission de l'ouvrir. Je brise le sceau royal et j'ouvre la tête. J'ouvre la tête, j'ouvre la boîte. J'ouvre la tête, comme ça. Je dévisse la tête, là. J'ouvre la tête et j'ouvre la boîte et je plonge la main dans la boîte et j'en sors justement la tête. Quoi ? La tête ? Quelle tête ? Bah, c'est une tête. C'est une tête coupée. De qui ? Qui a été asséché dans du natron le temps de votre voyage. Et c'est la tête d'Amosis. Oh, le dessin était révélateur. What the heck, death? Voici Amosis, la charogne qui a par deux fois tenté la vie de Pharaon et qui a essayé de fomenter une guerre entre l'Égypte et vous. C'est pour ça que j'y étais plus, moi. Il disait qu'il était mort, et moi, je dis, bah non. Bah si. Je t'ai dit que j'avais vu sa tête sur une pique. C'est juste que je l'avais vu dans mon sac à main, en fait, mais... Voilà. Cet homme a payé de sa vie et de... sa non-vie, aussi. Comme il est coutume chez nous.
Qu'il soit damné mille fois pour avoir commenté de telles choses. Nous avions sur nous des lettres écrites par vos fils, par les princes. Malheureusement, je suppose que des hommes liés à Moses ont essayé de venir répandre les rumeurs et nous ont volé ces lettres lors de notre voyage. Peut-être ont-elles été détruites, peut-être ont-elles servi à vous amener d'autres informations que celles que je vous porte. Ça, je n'ai pas la réponse. C'est la meuf qui s'en remet pas. Ça fait un mois qu'on te rabale une tête, ouais. Et moi, je la voyais pas, c'est la boîte, en fait. Ah non, mais oui, c'était ma précieuse. C'était une grosse boîte. Je n'ai aujourd'hui nulle preuve de ma bonne foi pour vous prouver que vos fils sont vivants et en bonne santé. Je n'ai toutefois que la parole de Rafa. Oui, bah, c'est comme ça son petit nom qu'on l'appelle entre nous. On va laisser tomber. Let's go. Je n'ai que la parole de Pharaon qui est celle-ci, telle que je vous la porte. Un tel événement n'aurait jamais dû se produire, vos fils n'auraient jamais dû être en danger. Ceci est ma faute. Et par mon erreur, par ma vie, je dois la payer. Je dépose ma vie devant vous afin de... Je dépose ma vie devant vous telle que me l'a ordonné Pharaon. Pharaon. Telle que me l'a ordonné Pharaon. Afin de vous apporter toute la bonne foi dont je dispose. Donc, pendant que tu parles, le roi n'a pas y resté impassible. Mais on a entendu un certain brouhaha derrière, dans les conseillers. Et vous avez deux mecs, très clairement, qui sont en train de jouer des coudes pour en fait essayer de se barrer. Je me demande bien à quoi ils ressemblent. Je sais pas, c'est deux bruns barbus, il y en a un qui a une petite cicatrice, alors ils ont plus leurs vêtements de marchand, maintenant ils sont habillés comme des courtiers, de manière assez riche. Moi je les pointe du doigt, et vous, traître. Ah si tu les vois, oui je t'en prie, oui. Je le traduis bien sûr, en faisant exactement la même chose. Fantastique. On est sûr que tout le monde comprend bien. Les sous-titres à l'époque. Les deux connards. Donc le roi fait un geste de la main et fait signe à ses gardes arrêter ces deux-là. Et il se retourne vers toi, Neferhotep. Il dit bien. Pharaon n'aurait pas envoyé jusqu'ici quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Je ne me suis pas présentée. Je suis Neferhotep, capitaine de la garde de Pharaon. D'accord, merci. Donc Neferhotep, l'Égyptien. Malgré les différends que j'ai pu avoir avec Toutmosis, c'est un dirigeant honnête, c'est un homme que j'estime. Et si je lui ai confié mes fils, c'est pour faire croître la paix entre nos pays, là où il n'y avait que la guerre et la défiance. Tu m'offres ta vie. J'accepte cette offre. Et je te demande de me donner, non pas ton sang, mais le service de ton épée, le service de ta loyauté. Et de la consacrer à la paix entre nos deux pays. Oh, c'est beau ce que tu fais. Je relève la tête un peu surpris quand même. C'est pas passé loin. Hein. Après, on va dire que je suis une drama queen qui sacrifie ses persos.
Il va falloir arrêter. Putain, un LGBT mais... commence enfin à m'adresser la parole, quoi. Méchamment, mais je te parle. Et j'en étais où? Gardien de la paix. Gardien de la paix. Gardien de la paix. Gardien de la paix avant tout. Pardon. Et donc maintenant il s'adresse à sa cour. Au sens à tous ses conseillers. Il dit, voyez, ces deux messagers qui prétendaient nous dire la vérité. Et monter. J'en ai la preuve puisque, poussé peut-être par une défiance que ne mériteraient pas des alliés, j'avais fait fouiller leurs affaires à leur arrivée voici 3 jours. Et j'avais trouvé des lettres écrites par mes fils. Joli ! Incroyable ! Je le savais ! En plus, ils font des très jolis dessins, j'ai eu droit à un papillon, tu vois. Enfin, bref. Je le savais. J'avais dit que depuis... Mais ils devaient cacher ça dans leur slip, sous leur couette. Ils se le sont roulés, ils se le sont carrés au cul, mais... Ils sont quand même très cons de les avoir gardés, ils auraient mieux fait de les détruire, cette bande de teubés. Oh oui, alors ça, c'est vraiment deux gros cons, hein. Ça, c'est pas moi qui m'apprends. Je leur fais l'équivalent de ce qui serait des grands doigts. Bien sûr. Ben, je me permettrai pas, je suis pas chez moi, mais je le pense. Donc, ainsi, je vous remercie. Je vous remercie, mes amis égyptiens, d'avoir fait ce voyage. Je te remercie de tes paroles, Neferhotep. Et je m'excuse de la défiance dont j'ai pu faire preuve, mais j'ignorais réellement ce qui en était jusqu'à ce que vous parliez. Et jusqu'à ce que je voyais Daminara. Vous allez donc pouvoir vous reposer des fatigues de votre voyage. Et ensuite, si vous le désirez, vous pourrez regagner l'Égypte, soit partir avec moi en campagne contre le royaume de Mitanie. C'est tentant, mais dois-je rappeler que nous ne sommes pas vraiment des militaires pour l'essentiel de notre groupe. c'est plutôt vrai. On va être mignonne, on va pas savoir grand-chose à moi. Ouais. Alors toi tu danses pour modifier les troupes, moi je recous les bras qui sont tombés. Moi je traite des gens de connards, voilà. Je peux combattre, mais c'est pas, voilà, je suis plus agile en fait. Vers des vraies troupes militaires, je veux pas être très... Mais vous savez, il n'y a pas que une campagne comme a montré Thoutmôsis il y a toutes ces années. Ce n'est pas que des militaires et ce ne sont pas que des batailles. Mais si vous désirez regagner l'Égypte, où je ne doute pas que d'autres aventures vous attendent, vous aurez une escorte et ainsi que de nombreux cadeaux. Une question toutefois, mes fleurs. quelle sera la sanction de ces deux individus? Bon, on va les pendre par les pieds sur les remparts, et puis jusqu'à ce qu'ils meurent de faim et de soif, et puis ensuite on laissera leur cadavre au corbeau. La voilà. À juger. Personnellement. Petit air satisfait en direction des deux connards. Voilà. Je vous apprends de panique. C'est on dit que Saül et Dieu ont le droit de faire couler le sang, donc... Techniquement, on va pas faire couler. Je ne saurais trop conseiller à son Altesse que de prendre le temps d'interroger ces deux hommes. Ils ont reçu de l'aide dans le désert. Et nous avions en Égypte trace d'un complot plus grand.
et d'un groupe cherchant à déstabiliser l'Égypte et le royaume. Et je crains que ces deux hommes en fassent aussi partie. Nous avons... maléfique. Oui, on peut dire ça en Égypte. On a... Oui, oui. Si cela est l'équivalent ici à Megiddo et au-delà en Jordanie, il se peut que ces individus agissent destinés à faire accomplir. Oh là, attends, toi aussi j'ai des mots qui sautent. Ah bon ? Oui. Ah merde ! Est-ce que vous m'entendez bien, là ? Caché. Non, c'est toujours coupé, ouais. C'est mieux. Ça coupe toujours un peu, peut-être parle un peu fort. Pourquoi l'accent du sud, là ? Oui, excusez-moi. Pourquoi ? C'est vrai que l'accent du sud, hein. Excusez-moi, c'est Raffarin, ça m'a déglingué. Raffarin. Non, je ne sais pas si vous m'entendez plus clairement. Là, là oui. C'est merveilleux. Non, je disais que, grosso modo, récapitulatif, nous, on a 7. 7, c'est pas un dieu gentil chez nous. Ici, peut-être qu'ils ont aussi des dieux pas gentils, et Mitanni aussi, et que sûrement nos ennemis se font accompagner peut-être de divinités et de magie néfastes. Okay. Le roi te regarde et il dit, écoutez, c'est possible, et après je fais confiance à mes prêtres, je fais également confiance aux dieux de l'Égypte, qui sont puissants. En effet, ces informations que vous me donnez sur l'aide qu'ils auraient pu recevoir dans le désert, nous allons les interroger longuement et profondément. mais en effet, il serait peut-être plus sage que vous repartiez pour l'Égypte. Et si ces troupes étaient entre nos deux royaumes, il est possible qu'il faille protéger de nouveau les anciennes forteresses du chemin d'Horus. Ils ont fait beaucoup de mal sur le trajet. La rumeur de la mort des princes s'est déjà répandue à Jérusalem. Je pense que apaiser la région va demander beaucoup d'énergie. Eh bien, nous allons nous y consacrer. Je vous remercie tous les quatre de ce que vous avez fait pour la couronne et de ce que vous avez fait pour la paix. Et donc sur ces paroles, l'entretien, vous comprenez que l'entretien royal est fini. Je finis de m'incliner jusqu'au sol. Oui, non, on s'incline, tout ça. Le respect, tout ça. Ouais. Je suis contente de pouvoir me débarrasser de mon sac à tête, hein. Oui. Tu savais qu'il y avait une tête depuis le début. Oui. C'est pour ça que je dormais sur ma boîte et que je ne la lâchais pas et que c'était mon ultime preuve. En même temps, voilà. Il a l'air con. Ah oui, moi s'il y a quelqu'un qui voulait l'ouvrir sur le trajet, j'aurais pas lutté contre, hein, mais après ça allait juste puer la mort, quoi. Je préfère que ça reste scellé. voilà. Donc voilà, nous avons fini ce scénario des chemins de Canaan. Mm-hmm. Oh waouh. J'ai bien servi à rien, c'était top, j'adorais personnellement. C'est pareil, je suis médecin, mais j'ai pas sorti un pansement depuis 10 ans, quoi. Alors, ça t'a fait des vagues. Je suis là. Franchement, je me suis fait cracher dessus. Je suis nulle à jouer. Est-ce que vraiment on peut dire que j'ai une utilité dans tout ça par ralentir? Les voyages étaient pas la destination, c'était l'arrivée, quoi. Hein. Vraiment, enfin, c'était pas le chemin, c'était l'arrivée pour le coup. Ah ouais, mais moi, pour ce fin de chemin. Oui, c'est ça. Puis je vous avais pas sur le chemin, j'arrivais pas jusque là, hein, parce que c'est votre diplomatie qui fait qu'on a avancé quand même. Hein. Ah, c'était un effort de groupe. Parce que moi, j'aurais juste pété des dents tout le long, et je serais pas allé très très loin.
les gravures de Raphaël, bien sûr, qui resteront à tout jamais dans ce Discord. En fait, nous, on a vendu en sous-main des gravures porno de Pharaon. Ah bah là, je peux te dire que j'ai tout donné. Pour réussir, tu vois, pour raviver l'image de l'Égypte. L'Égypte d'en haut et l'Égypte d'en bas. Voilà. Voilà, et Raphaël reste quand même toujours dans nos mémoires. Hein. Raphaël, si tu nous regardes, on t'aime. C'est dramatique. Je pense qu'on va, être dans une histoire parallèle où ça ne sera plus des pharaons mais des Raphaël, parce que... Mais surtout que l'essentiel du temps, c'est même pas fait exprès, c'est juste la bafouille... Ah, puis mais c'est de arriver chez tout le monde, à force. C'est ça qui est bien. Ça a été contagieux. Parlez-moi de la bouffure aux têtes. Oui, ça, c'est prévu. Je vous adore, mais des fois, j'en peux plus. Comment ça? Genre, on est fatigante. Mais non, c'est faux. Vous nous aimez parce que vous êtes dans le chat, présentement. Non. Bah, eh ben écoute, j'ai hâte de te voir MJ. Hein. Bah ouais. Et épisode ravi de faire découvrir le jeu de rôle d'ailleurs. Du coup, si c'est rien qu'à travers nous que tu fais cette découverte, on te promet que ça va être un truc de tourpeau à tout et à chaque épisode, mais avec beaucoup de fou rire. Ça, c'est par contre. Le jeu de rôle, tu vas voir, mais en général, c'est mouvementé. Oui. Ah, si je suis là, c'est sûr qu'il y a du zbeul. Oui, il se passe des choses. Je suis désolée. Hein, je le fais pas exprès, mais bon, voilà. Oh, c'est l'attention. C'est un travail de groupe. Toujours. Superbe travail de groupe. En tout cas, merci. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Merci au chat, merci à tout le monde. Et trop chouette. Hâte de rentrer botter les fesses. Alors par contre, si on rentre, est-ce qu'on peut faire le voyage en ellipse temporelle pour mes... Oui. Non, toi tu le fais uniquement à d'autres chameaux. Le premier que t'as voulu abandonner. Il y a deux enfants pour traverser le gros. Hein. La tronche de mon voyage de retour. Et c'est maintenant qu'elle a appris à monter à cheval. Bravo, hein. Allez, ça y est, on rentre à la maison. Hop là. Ouais, quand c'est vers la maison, ça va beaucoup mieux, hein, bizarrement. Normal. C'est... Moi, je cours plus vite que je... Et des fées vers la maison. Allez, eh bien, merci à tous. Merci, Marie. Mais merci à vous. Merci. Et on va vous laisser. C'était un plaisir. Et bonne soirée, blatérez bien. Bonne soirée à d'autres chameaux. Et puis, on vous retrouve samedi pour la grosse journée night avec un live toute l'après-midi. Toute l'après-midi. Et on compte sur vous pour venir nous soutenir. Ah oui. Et bonne soirée. Des bisous.